Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à la troisième séance du cycle de conférences biannuelles de la Cour de cassation, consacrée, je vous le rappelle, à la justice environnementale. Deux points, le défi de l'effectivité. Alors, je vais juste prendre un petit moment pour rappeler un petit peu les finalités de ce séminaire, puisque nous avons eu une interruption, en trois questions. La première question, rappeler ce que nous voulions faire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, officiellement, on partait du constat de l'urgence d'une application concrète des règles de droit qui favorisent la transition. Et puis, on s'est rendu compte qu'elle bousculait en réalité le droit de l'environnement. L'urgence bouscule le droit de l'environnement. L'urgence bouscule aussi les institutions judiciaires. Et la question, en fait, qui est celle aujourd'hui posée, c'est celle de l'effectivité du droit. En réalité, on avait une idée derrière la tête. Puisque nous sommes seuls, on peut l'évoquer, cette idée-là. C'est qu'on pensait que la crise environnementale industrielle aujourd'hui, celle du XXIe siècle, ressemble fortement à la crise industrielle aussi, environnementale aussi, et surtout sociale, du XIXe siècle. L'industrialisation a causé des dégâts absolument incroyables à l'environnement, mais surtout aux ouvriers. Et ce n'est pas le droit international, ce n'est pas le législateur, c'est le juge, et c'est particulièrement la Cour de cassation, qui a réussi à résoudre la question. Rappelez-vous l'arrêt Teffen du 16 juin 1896, l'arrêt du remorqueur. La Cour répond à une demande sociale immense, des victimes d'accidents du travail. C'est le cas aujourd'hui aussi, il y a une demande, il faut y répondre. Deuxièmement, la Cour a innové juridiquement, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Très élégamment, je rappelle, c'est à droit constant que la Cour a, en fait, étendu le champ d'une responsabilité qui existait déjà, la responsabilité du fait des choses, et a créé un principe général, beauté de la solution. Et puis, troisièmement, déjà, les questions de la science étaient au cœur de cet arrêt de la Cour de cassation. Singularité de dommages causés par des machines à vapeur, la première révolution industrielle. Aujourd'hui, nous avons en réalité la même question, singularité des dommages environnementaux. À l'époque, création d'une faute de plein droit, et bien aujourd'hui, quelque chose est à créer. Donc Vico et sa magnifique expression Corso et Ricorso de l'histoire, nous pensons que c'est ici peut-être que les choses se passeront véritablement. Alors, deuxième question, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait lors de ce séminaire? Il est en fait séparé en deux parties. Il y a une première partie, c'est les problèmes. La seconde partie, c'est les solutions. Alors, les quatre premières séances nous ont permis d'identifier les problèmes. On est très positif, on cherche les solutions, problème-solution. On a pris une grille en fait, d'analyse derrière pour construire la problématique, c'est en fait celle des risques de transition qui a été évoquée par Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, dans son discours très célèbre du 29 septembre 2015. Et à dire vrai, la première séance était consacrée aux risques physiques. Son titre, c'était en fait les mutations environnementales. Mutations environnementales, climat, biodiversité, chimie, pollution, etc. Et puis, avec des scientifiques comme Yves Letreux, climatologue, on s'est intéressé aux risques physiques, par exemple, du réchauffement climatique, cette catastrophe planétaire de plus en plus probable, avec les pires des scénarios, plus d'un degré, selon les projections qui nous ont été communiquées, qui semblent de plus en plus probables. Mais quelque chose était apparu pendant le séminaire. Et ça, c'est très important. C'est que la justice environnementale passera par un dialogue entre magistrats et scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a une co-construction qui doit se faire, qui se fait. Par exemple, la notion de causalité climatique est entre droit et science. Ça, c'était la première idée force, me semble-t-il, de ce séminaire. Seconde séance était consacrée en réalité aux risques de transition, c'est-à-dire les mutations économiques à venir, pour reprendre Carney. Alors avec, par exemple, Gaël Giraud, qui a fait son travail sur des modèles économiques qui traduisent en conséquences économiques les données des climatologues, en réalité, on a pris conscience de l'ampleur de la catastrophe économique qui va, par exemple, atteindre le système financier, notamment les banques,
la bourse, les assurances et peut-être aussi les réassurances et les États. C'était par exemple la question des actifs échoués qui est apparue comme un risque absolument essentiel. Ce qui est apparu aussi pendant ce séminaire, et ça c'était très intéressant, c'est que les juges vont devoir se familiariser pas seulement avec les sciences de la vie, de la nature, la biologie, mais aussi avec les sciences du management. Et ça, c'était quand même un enseignement très très important, parce que pour évaluer la responsabilité d'une entreprise, à savoir si elle s'est mise en transition pour, en réalité, mettre en œuvre les partitions qui sont mises en œuvre par les scientifiques, eh bien, c'est quoi ? Ben, c'est la comptabilité, par exemple, qui va être examinée. Donc, là encore, nécessité d'un dialogue extrêmement important. Alors, troisième séance aujourd'hui, en réalité, c'est un petit peu le début du risque juridique que nous commençons à évoquer. On aborde en apparence les conséquences sociales des mutations environnementales, mais on va parler de quoi ? De qualité de l'air, des impacts sanitaires, et puis de leur traduction en catégories qui sont lien de causalité, évaluation des dommages, etc. Alors, je ne vais pas aller dans ce que nous allons faire, mais en fait, je voudrais juste rappeler une petite nouveauté, c'est que nous avons des questions qui seront dans la salle, mais qui seront aussi posées en ligne par des élèves de l'ENS Rennes, mais aussi des élèves de Sciences Po Rennes. Pourquoi ? Parce qu'ils participent à une recherche collaborative sur la justice environnementale que nous organisons à côté de ce séminaire. Alors justement, troisième et dernière question, qu'est-ce que nous allons faire dorénavant ? Ben, la prochaine séance, le 5 mars, elle sera un petit peu particulière. 5 novembre. Merci, Béatrice. Ça sera un petit peu particulière parce que le thème sera les anciennes techniques procédurales versus les nouveaux défis. Alors, en fait, on va avoir des praticiens comme Maître Mabi, certains avocats présents ici, le professeur Gilles Martin. Et en fait, on va examiner les grandes catégories du droit de la responsabilité dans leur rapport problématique à la justice environnementale, la faute, le dommage, le lien de causalité, la preuve. Mais en fait, on va joindre ce séminaire avec, en réalité, un travail de recherche, collective, et vont participer aussi des chercheurs de la recherche collective qui est financée par le CNRS, qui s'appelle « Justice environnementale », décision fondée sur la science d'un consortium de l'UMR Iode, mais aussi de l'École nationale de la magistrature. Alors, des chercheurs assez spécialisés en droit de l'environnement, comme Marion Lemoine, Pascal Ricard, qui font partie de cette recherche, participeront à cette séance. Parce que, en fait, quand Béatrice a eu cette idée de séminaire à la Cour de cassation, comme on a gentiment dit, tiens, ce serait marrant qu'on fasse ça. Je dis, oui, c'est super, mais faisons aussi un projet de recherche qu'on va soumettre au CNRS pour y adjoindre une communauté scientifique qui se pose ces questions de justice environnementale, mais sur le prisme qui est au cœur de ce séminaire, droit et sciences. Donc, dans ce travail de recherche, on se pose des questions assez théoriques sur les rapports droit-sciences, par exemple les travaux de chez Lajazanov. Mais c'est surtout une recherche extrêmement appliquée, concrète, sur l'effectivité du droit, parce que ce qu'on essaie de faire, c'est de proposer un outil d'aide à la décision pour les magistrats lors de futurs procès en matière de justice environnementale. Voilà, petit résumé. Je crois qu'on va commencer tout de suite. C'est Béatrice Parence qui va nous présenter la séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, séance 3, relative aux conséquences sociales des mutations environnementales. Trois intervenants qui ont des profils tout à fait complémentaires. Nous allons seulement esquisser quelques traits fondamentaux sur ces conséquences sociales. Nous pourrions en parler pendant des mois, des années. Nous allons essayer de nous arrêter sur quelques traits majeurs. Donc, premier intervenant, Sébastien Treillère. Vous êtes directeur général de l'IDRI, spécialiste des prospectives mondiales sur la sécurité alimentaire et du changement environnemental global. Vous allez nous parler de sécurité alimentaire en ce qu'elle est à la fois affectée par les dégradations environnementales et en ce qu'elle est aussi une source majeure de ces dégradations environnementales. Malheureusement, vous devez nous quitter à 17h40, donc ce sera un monologue. Et ensuite, nous aurons droit à un dialogue entre Marie Gaille. Donc Marie Gaille, vous êtes philosophe de formation, directrice de recherche au CNRS et très spécialisée sur la question des inégalités environnementales.
Et donc, vous ferez un duo avec Sébastien Denis. Sébastien, vous êtes scientifique, donc des profils, vous voyez, très variés. Directeur de la direction Santé-Environnement de Santé publique France. Donc, je rappelle que Santé publique France est une des plus grandes agences d'expertise françaises à côté de l'ANSES. Et vous viendrez nous présenter des visages de l'épidémiologie et des liens entre les différentes pollutions et les impacts sanitaires, comment est-ce qu'on les mesure, comment est-ce qu'on les évalue. Je donne sans tarder la parole à Sébastien Treillière. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation et encore désolé de ne pas pouvoir rester plus longtemps pour les débats. Je vais essayer de parler pas trop longtemps pour avoir quand même la capacité de répondre à quelques questions. Je suis à la fois honoré d'être dans ces lieux et aussi très heureux du contact avec votre séminaire que je trouve extrêmement intéressant. L'IDRI, ou ce que je dirige, c'est un think tank basé à Sciences Po Paris qui travaille sur les négociations environnementales internationales. Et donc, on est très en lien de la même manière que vous avec tout le champ des Science and Technology Studies, c'est-à-dire comment la fabrique de la science doit être absolument comprise d'une manière très latourienne pour accompagner aussi la manière dont on peut reconfigurer les débats politiques. Et je dois dire que nous, on travaille avec un certain nombre de juristes, mais qu'il nous manque vraiment une interaction plus intense avec les questions que vous posez qui nous semblent absolument essentielles. Je vais aller droit au but. J'avais prévu quelques éléments visuels que vous pourrez avoir dans mes slides, essentiellement parce que ce que je veux essayer de faire, c'est déconstruire des questions, et notamment dire que sur la question de la sécurité alimentaire, qui paraît être un enjeu de justice sociale essentielle en bout de chaîne des évolutions environnementales, c'était la question que vous m'aviez posée, Béatrice. Effectivement, j'ai envie de dire que généralement les cadrages qui sont les plus dominants, donc je parle de cadrages dominants, vous voyez que je suis pas loin d'un certain nombre de ces travaux en STS justement, il y a des cadrages dominants qui posent la question dans des termes simples et très efficaces, mais qui cachent pour moi des éléments essentiels de la discussion, notamment sur la question de justice sociale. Et donc, pour montrer ces cadrages, je voulais vous montrer des chiffres et des tableaux qui sont issus de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, mais vous les aurez à un autre moment. Par contre, je voulais lancer mon minuteur pour être un peu clair, et évidemment, j'ai oublié de le faire. C'est parti. Effectivement, ce que je voulais essayer de dire, c'est que la sécurité alimentaire est vraiment assez emblématique de dégradation conjointe de l'environnement et des situations sociales. Et donc, et plutôt que de dire que la dégradation, enfin que les questions sociales ou que les questions sociales liées à la sécurité alimentaire sont en aval des dégradations environnementales, pour moi, je pense qu'il est important de les regarder de manière conjointe et que ça pose des questions. Qui sont en partie celles de comment est-ce qu'on va transformer le modèle de nos industries agroalimentaires à l'échelle de toute la planète, hein, je parle autant du Niger que de la France, pour pouvoir être à la fois adapté aux mutations environnementales et ne pas y contribuer davantage. Et ça, c'est des questions redoutables à la fois similaires à celles du risque de transition, c'est-à-dire comment est-ce que les investissements qu'on peut faire dans ces industries, dans ce secteur alimentaire, peuvent être pensés pour ne pas être des stranded assets, des actifs échoués, et c'est aussi comment est-ce qu'on peut les penser pour qu'ils soient robustes aux évolutions climatiques et de la biodiversité. Donc on est vraiment sur un secteur qui est à la croisée de tout ça. Pour le dire assez rapidement, ce que je voudrais essayer de révéler comme cadrage pour mettre en lumière des choses importantes, des dimensions sociales importantes, c'est un cadrage qui voit essentiellement la question en termes de quantité de terres cultivables et de rendement. Donc, excusez-moi, je suis pas agronome, mais je navigue avec beaucoup d'agronomes. Donc, quand je suis trop jargonnant, il faut évidemment me demander de stopper là et d'être un peu plus précis. Mais au fond, depuis Malthus, 1798, hein, des premiers qui parlent de la rareté des ressources, et on est dans ces questions de dégradation de la sécurité alimentaire très cadrées par une vision malthusienne, ce qui n'est pour moi pas une insulte. On est dans une question sur est-ce que on aura assez de place pour nourrir la population britannique avec les terres cultivables, étant entendu que la population britannique augmentait de manière exponentielle et que les rendements augmentaient de manière linéaire. Et donc, sans faire trop de mathématiques, vous voyez bien qu'à un moment, la courbe exponentielle heurte la courbe linéaire. Et donc, ça, c'est la question de Malthus.
Et la question de Malthus était intéressante parce qu'elle parlait de vitesse du changement, de vitesse du progrès technologique, mais on en a retenu essentiellement l'idée qu'en fait, la question alimentaire, elle se pose en termes de est-ce qu'on peut augmenter l'espace disponible par les terres ou est-ce qu'on peut augmenter les rendements. Et ce cadrage-là, pour moi, il est complètement aveugle sur des questions sociales absolument essentielles que je voudrais essayer sur lesquelles je voudrais essayer d'attirer votre attention. Je l'ai dit en deux mots et j'essaierai d'y revenir. La première, c'est que la question de la production n'est insuffisante pour parler de la sécurité alimentaire. Ça, c'est le sommet de la sécurité alimentaire mondiale de 1996 qui a établi qu'en fait, il ne s'agit pas juste de rendre l'alimentation disponible, il s'agit de voir comment est-ce que les plus pauvres y accèdent. Et qu'on ne peut pas résoudre la question de la sécurité alimentaire en regardant uniquement ce qui s'appelle agricultural output dans les termes de la FAO et donc la production alimentaire. Et donc si on fait ça, on est aveugle en fait à la question des questions d'accès à l'alimentation qu'Amartya Sen avait beaucoup souligné, hein, justement une espèce de réaction à la définition première de la sécurité alimentaire par la disponibilité de la production alimentaire. Et donc cette question de l'accès est essentielle, elle est souvent occultée, ou alors on fait généralement l'hypothèse que le rendement des agriculteurs les plus pauvres est en fait un bon équivalent de leurs revenus, ce qui est un bon équivalent de leur accès à l'alimentation et un bon équivalent de leur bien-être. Et vous voyez qu'il y a toute une série d'équivalences qui sont absolument pas, qui sont absolument fausses, qui sont rarement vraies, pour le dire comme ça. Et donc, si j'essaye de connecter ce que je raconte à l'introduction qu'a fait Gilles L'Huillier, je me dis que là, le juriste, le juge, l'avocat, est obligatoirement, de manière impérative, parce que je vais essayer de dire, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais il faut se plonger dans les querelles épistémologiques et scientifiques au sein de l'économie du développement et de l'agroéconomie et de la sociologie rurale. En fait, on vient poser une question nouvelle avec le changement climatique, la biodiversité, sur un débat très ancien au sein de des agroéconomistes, et il faudrait pas que la question de la dégradation environnementale vienne reposer une simplification du cadrage par les surfaces et les rendements, là où en fait derrière il y a énormément de questions sociales très importantes. Le deuxième point qui va peut-être moins vous intéresser sur la question sociale, mais qui pour nous, IDRI, est absolument essentiel, c'est qu'aujourd'hui il y a un cadrage dominant dans la solution qui est trouvée, qui est de se dire, si on veut à la fois protéger la biodiversité, donner à manger à tout le monde, et pour se protéger du changement climatique, il va falloir faire la part du feu. On va limiter les surfaces agricoles au minimum nécessaire pour nourrir la population. Comme ça, le reste des surfaces pourront être pour la biodiversité, pour être protégées. On appelle ça le land sparing, c'est-à-dire on économise de l'espace pour pouvoir faire de la place à la biodiversité. Mais alors, par contre, là où on produit, il faut que ça crache, excusez-moi l'expression, mais il faut vraiment que ça produise beaucoup. Et donc on passe complètement à côté de la prise en charge de l'environnement dans l'espace agricole lui-même. Et nous, ce qu'on postule avec des travaux très solides du CIRAD, de l'INRA et de tout un tas de personnes, c'est que le modèle agronomique, la manière dont on construit les techniques agronomiques dans l'espace agricole sont à la fois déterminantes pour l'efficacité environnementale totale. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus, mais c'est la question de l'agroécologie. Débat très actif en France, en Amérique latine, le terme agroécologie étant inaudible aux États-Unis parce que c'est un terme qui est associé tout de suite aux mouvements sociaux latino-américains de gauche. Et donc il y a des choses qui sont difficiles derrière ce débat-là. Mais en tout cas, est en train de se jouer aujourd'hui à l'échelle mondiale un débat entre un modèle agroécologique qui dit qu'au fond, sur le même espace agricole, il faut qu'on essaye à la fois de produire de la production agricole, mais aussi de protéger la biodiversité, de stocker le carbone et d'avoir le maximum d'emplois. Je ne dis pas que tout le monde y arrive, mais il y a ces préoccupations-là. Alors que dans un autre modèle qui s'appelle Sustainable Intensification, l'intensification durable de l'agriculture, on vise avant tout à augmenter les rendements, parce qu'on est dans cette logique de land sparing où le reste du territoire doit être protégé pour la biodiversité. Et là, on essaye d'ajuster, d'utiliser un peu moins de pesticides, un peu moins d'engrais, mais en termes de qualité environnementale et d'ailleurs d'intensité en travail, de capacité à préserver l'emploi dans l'ensemble de la filière, ce n'est pas une préoccupation majeure. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est généralement assez mal, on en rend assez mal compte par une vision qui est pourtant date depuis très longtemps, où on regarde essentiellement les grandes masses
qui dirait, par exemple, en Afrique, combien de terres disponibles grâce au changement climatique ou malgré le changement climatique, et à ce moment-là, de combien il faut faire augmenter les rendements, dans une logique comptable qui ne rend pas justice aux aspects tout à fait importants d'un point de vue des questions sociales, du nombre d'emplois, de l'accès à l'alimentation, et évidemment des questions foncières, qui sont absolument déterminantes quand on essaye d'imaginer des grandes masses de combien de terres disponibles et est-ce qu'on va pouvoir produire. On pose assez rarement la question de qui en a le droit d'accès, le droit d'usage, alors que, comme l'a démontré Amartya Sen, la question des capabilities, des capacités des personnes à accéder au bien-être et aussi à la sécurité alimentaire dépend énormément de leur droit d'accès à la terre et de leur mode d'accès à la terre. Donc, j'essaye en fait de... Je m'excuse, parce qu'il faut que je refasse un petit point dans mon exposé, parce que sans les visuels, il faut que je sois un petit peu... Je vous ai annoncé en gros mes principaux messages, je pourrais presque m'arrêter là, mais ça risque d'être un petit peu aride, donc il faut que j'arrive maintenant à illustrer un petit peu ce que j'essaye de dire. Mais principalement, mon message, c'est de dire il y a des questions absolument majeures qui se cachent derrière une vision trop... raccourci de la question de la sécurité alimentaire qui au fond là je prends vraiment une logique très inspirée par Sheila Jasanoff, donc je m'excuse pour les personnes dans l'auditoire qui n'auraient pas Sheila Jasanoff dans leurs lectures habituelles, mais au fond il y a tout un champ de littérature en Science and Technology Studies sur les promesses technoscientifiques qui sont une manière de cadrer le problème et les solutions de telle manière qu'une solution technique apparaisse comme la seule disponible. Donc là, c'est parmi les travaux de Sheila Jasanoff et de ses collègues, des travaux assez activistes, dans la querelle sur les OGM, etc., pour dire le problème des OGM, c'est pas juste les risques, c'est la manière dont ils cadrent les problèmes depuis la solution qu'ils ont envie de nous vendre, pour le dire de manière un peu rapide. Et donc, il se trouve que dans le débat sur la sécurité alimentaire mondiale, il y a énormément d'acteurs qui ont un intérêt à ce que la question de l'augmentation du rendement, c'est-à-dire la quantité de biomasse produite par hectare de culture végétale, ou de la productivité animale, c'est-à-dire le nombre de litres de lait produit par vache, soit le seul indicateur de la performance. Et ça, c'est quelque chose qui traverse toute la question agricole depuis un certain nombre d'années, en disant, si on arrive à augmenter les rendements, à ce moment-là, on résout le problème, parce qu'en fait, on utilise moins de terre, etc. Il y a quelque chose, une particularité très française, mais on n'est heureusement pas les seuls. Le CIRAD, l'INRA et tout un tas d'autres chercheurs en économie agricole, mais notamment les Français, essayent de dire que la performance à travers le rendement est complètement insuffisante pour rendre compte d'énormément de dimensions absolument essentielles. Comme je le disais tout à l'heure, le rendement ne peut pas être... peut pas être l'équivalent. On ne peut pas dire que le rendement, la quantité de blé produite par hectare, son augmentation signifie nécessairement que l'agriculteur va être mieux loti, va accéder davantage à l'alimentation. Et on oublie en général dans ce débat toute la part du côté de la demande des consommateurs, des mangeurs, dit d'ailleurs Nicolas Bricasse du CIRAD à Montpellier, qui dit qu'en fait il y a une partie des gens qui accèdent à l'alimentation qui ne la payent pas, qui ont d'autres formes. Et donc le simple mot de consommation est inadéquat pour essayer de représenter cette question. Peut-être qu'une fois que j'ai dit ça, ce qu'il faudrait, c'est que je donne quelques éléments de définition, quand même, que je revienne sur la définition de ce que c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Sécurité alimentaire et nutritionnelle, je vous en ai donné quelques mots tout à l'heure. Pendant toutes les années 70, 80, avec une série de sommets sur la sécurité alimentaire mondiale, le focus était essentiellement sur la disponibilité, c'est-à-dire est-ce qu'on a assez de terres et est-ce que ces terres produisent suffisamment par hectare pour nous nourrir ? Et tout ce qui a été ajouté en 96, c'était de dire qu'il y avait quatre dimensions indispensables à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La disponibilité, c'est-à-dire combien on produit, l'accès, et donc là, tout à coup, c'est là où entrent en compte des questions beaucoup plus microéconomiques et sociales. La question des usages, c'est-à-dire que la capacité à se nourrir selon sa culture ou avec une diversité de régimes alimentaires fait aussi partie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment par l'idée de la diversification et pas juste de manger tous beaucoup de riz, de blé ou de soja, mais avec une forme de diversité nutritionnelle. Et la stabilité, donc je répète, disponibilité, accès, utilisation et stabilité. Donc ça, c'est un recadrage qui est absolument essentiel,
qui fait dire qu'à ce moment-là, quand on veut réfléchir à est-ce qu'on a assez d'alimentation, est-ce qu'on a une sécurité, est-ce que quelle va être la manière d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, on ne peut pas regarder uniquement le côté production, mais il faut aussi comprendre l'impact du changement climatique sur la consommation. Il y a des travaux très intéressants d'Oxford, de Marcos Priemann, qui essayent de montrer que, par ailleurs, le changement climatique a des effets quasiment directs, ou parfois plus indirects, sur le mode d'accès à l'alimentation, et pas juste le mode de production alimentaire, et que ça aussi, il faudrait le prendre en compte pour être beaucoup plus exact. L'autre chose qui me paraît important de dire, c'est que si je prends un exemple comme le Niger, une des questions qui est rarement prise en compte dans la réflexion sur le système alimentaire mondial et sa capacité à être à la fois socialement juste et à rester dans les limites de la planète, c'est qu'en fait, on ne met pas du tout suffisamment l'accent sur des questions redoutables d'emploi dans des économies qui sont essentiellement dépendantes du secteur agroalimentaire. Et donc là, pour moi, ça, c'est tout un point aveugle, de nouveau, de cette discussion, telle que vous la verrez en général transcrite par les synthèses de la FAO, et aussi la reprise de ces synthèses par un certain nombre d'acteurs du secteur agricole qui ont essentiellement intérêt à ce que la seule chose que les autorités publiques retiennent, c'est qu'il faut augmenter les rendements, parce que ça, c'est comme ça que le système agricole était organisé pour l'industrialisation de l'agriculture. Et donc, il y a un ensemble de chercheurs, et notamment encore une fois le CIRAD, hein, je me permets de dire que finalement, un des intérêts de cette interlocution, c'est de montrer les communautés académiques avec qui il faut forcément interagir pour pouvoir cadrer les questions. On a donc eu tout un effort de chercheurs du CIRAD et en particulier Bruno Loche, pour essayer de refaire exister la question agraire. Et donc là, je fais référence à la question agraire, ça renvoie à Kautsky 1898. Donc je n'ai pas à rougir vu l'importance qu'ont dans ces murs, Gilles Luyer l'évoquait tout à l'heure, le fait de prendre le temps long. Mais Kautsky, c'était un marxiste qui essayait de discuter avec Marx dans quelle mesure le secteur agricole ne pouvait pas être analysé avec les mêmes lentilles que le reste de l'économie. Et donc la question agraire à laquelle je veux revenir, c'est que depuis les années 80, il y a eu à la Banque mondiale, et donc dans toute l'économie du développement, deux phénomènes importants. Le premier, c'est de dire que finalement l'agriculture ça a à voir avec le moment des ajustements structurels. L'agriculture était finalement un secteur dans lequel il ne fallait pas trop investir. Ce qu'il fallait faire, c'était investir dans les secteurs secondaires et tertiaires dans les pays en développement, et que finalement c'est eux qui allaient tirer le développement, la prospérité. Et on se rend compte avec le rapport de la Banque mondiale, qui fait un rapport annuel en 2008, ces efforts-là n'ont pas marché, et qu'on devrait beaucoup plus porter attention à la capacité du secteur agricole et à la première transformation, et donc non pas seulement le nombre d'emplois en agriculture, mais le nombre d'emplois dans la transformation alimentaire, qui peuvent être parfois un secteur très informel dans un certain nombre de pays africains, par exemple, mais pas uniquement, hein, au Vietnam, au Pérou. Ce secteur-là est absolument indispensable pour des pays qui n'ont aujourd'hui pas développé de manière très forte le secteur secondaire et tertiaire, l'industrie et les services, qui ont une croissance démographique énorme et donc une population active pléthorique. On peut penser vraiment, le cas du Niger est vraiment illustratif de ça. Et il n'est pas imaginable qu'on arrive à développer dans ces pays un secteur industriel ou de services qui permette de les employer, parce qu'il y a des niveaux de qualification qui seraient nécessaires, et surtout parce que dans l'industrie, aujourd'hui, il y a une automatisation beaucoup plus importante que ce que nous, on a vécu quand on a eu un surplus de main-d'œuvre qu'on a envoyé dans l'industrie pour faire notre croissance économique des 30 glorieuses et un peu précédente. Et donc, on se trouve dans une situation économique d'un certain nombre de pays de la planète aujourd'hui qui doivent faire leur transition du secteur primaire vers autre chose, mais qui sont plus du tout dans les mêmes conditions. Quand on l'a fait, nous, dans les pays occidentaux, on n'avait pas de compétition pour notre secteur industriel et on n'avait pas toute cette robotisation. Et l'Inde est d'ailleurs un pays qui est dans la même situation, avec une énorme population active agricole, une population en croissance dans les espaces ruraux, qui ne va pas trouver à s'employer dans les services, parce qu'en fait, c'est déjà plein ou parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Et il n'y a pas d'industrie pour les employer. Et il n'y aura pas de l'intensité, pour utiliser des mots d'économiste, l'intensité
en travail de l'industrie est très très faible et l'intensité en capital est beaucoup plus importante. Et donc on a un vrai problème de se dire mais où est-ce qu'on va offrir des emplois et donc un revenu et donc un accès à la prospérité, au bien-être en tout cas, et donc à la sécurité alimentaire également, à un ensemble de la population dont on ne sait pas où elle pourrait trouver à s'employer. Et cette question-là est généralement complètement invisibilisée par la seule question de l'augmentation des rendements, qui a beaucoup guidé, quand l'agriculture est revenue sur l'agenda de la Banque mondiale, il y avait un risque très fort qu'elle se focalise essentiellement sur l'idée « on va financer les agriculteurs les plus productifs pour qu'ils accèdent aux technologies qui leur permettent d'augmenter leur rendement ». Mais ce faisant, en général, on investit dans le capital technologique au détriment du travail. C'est quelque chose d'assez inévitable. Dans la plupart des évolutions économiques, on substitue la technologie pour se passer du travail. Ça permet d'augmenter le revenu par actif agricole. Donc il y a des questions. Moi, je n'ai pas la solution définitive au problème. Mais quand on a un pays comme le Niger ou l'Inde, il va falloir solutionner ce problème de cet ensemble de personnes qui naissent ou qui sont déjà dans les espaces ruraux, vont-ils trouver à s'employer ? Et donc, on ne peut pas répondre à ça uniquement... pas en agriculture, parce qu'en agriculture, on a besoin d'augmenter les rendements par des technologies qui vont en fait évacuer toute la main-d'œuvre agricole. Et donc, il y a eu tout un travail de Bruno Loche qui s'est inséré à grand renfort de stratégie scientifique du CIRAD. Je vous raconte cette histoire aussi parce qu'elle me paraît intéressante. La science, ce n'est pas de la pure connaissance scientifique. C'est évidemment des institutions et des batailles institutionnelles, et notamment dans le champ de l'économie agricole. Je pourrais dire ça de l'économie aussi. Évidemment qu'il n'y a pas de vérité absolue en économie et que les querelles entre écoles de pensée sont absolument indispensables à la vie de cette discipline qui parfois oublie un petit peu trop ça et qui a tendance à essayer de ressembler à la science physique. Mais excusez-moi de tacler les économistes, ce n'est pas très sympathique. Ce que j'essaye de dire, c'est que pour moi, il est absolument normal qu'il y ait des stratégies institutionnelles pour essayer de faire valoir... il faut que je m'arrête, c'est ça ? Pour faire valoir des visions différentes. Et donc, typiquement, Bruno Loche, appuyé par le CIRAD, est intervenu à la Banque mondiale pour faire exister cette question de l'emploi agricole dans les pays comme étant quelque chose qui est encore plus déterminant que la question des rendements. Et évidemment qu'elle est liée au modèle agricole technologique, elle est liée à la dégradation environnementale, parce qu'il faut des terres quand même pour qu'ils y accèdent. Mais à ce moment-là, on ne nie plus la question du foncier, la question de la gouvernance l'importance de ne pas aller directement à des technologies qui soient uniquement centrées sur la performance en matière de rendement. Donc j'espère que mon propos n'était pas trop décousu. Je crois que mon intérêt principal, c'était de vous attirer vers toute cette littérature et de ne pas prendre pour acquis des chiffres comme ceux qu'on a entendus en 2009, juste après l'augmentation des prix des denrées alimentaires, qui disaient qu'il va falloir augmenter de 70% la production agricole mondiale. Ça réjouissait la FNSEA parce que comme ça, on se disait « bah oui, ça justifie qu'on arrête de se préoccuper pour l'environnement parce que comme ça, il faut qu'on produise davantage ». En fait, c'est pas l'idée, c'est pas de produire plus, c'est de réfléchir comment est-ce que les gens accèdent à l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, on produit déjà beaucoup plus qu'on en aurait besoin, et les gens ont quand même un problème de sécurité alimentaire. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi, et en tout cas, je suis disponible pour quelques questions. Merci beaucoup, Sébastien Strayer, c'était magnifique, puisque c'était au cœur de ce qu'on essaie de faire. J'essaie de rappeler qu'au fond, on fait l'hypothèse que c'est à droit constant que la justice environnementale pourra agir, parce qu'il ne faut pas s'attendre... des nouvelles normes, etc. On fait l'hypothèse que c'est dans les rapports entre droit et science que va arriver le changement. On fait l'hypothèse que c'est le juge qui doit, pour reprendre chez la Jazanov, co-construire ses solutions, enfin en choisissant dans la science. Ce qui veut dire que, concrètement, ça veut dire que les juges vont devoir monter en compétence sur, et pour reprendre votre expression, les communautés scientifiques avec lesquelles il faut rentrer en dialogue. Et ça, c'est exactement ce que vous avez tenté de faire. Chaque espace, au fond, va avoir ses différentes communautés. Il ne s'agit pas d'orienter le juge, mais simplement de l'informer sur les communautés qui sont pertinentes pour que cette co-construction se fasse avec des sciences pertinentes. Alors, moi, j'ai deux questions. C'est donc les élèves de l'ENS Rennes qui posent des questions. Elles sont assez proches. La première question, elles sont assez proches parce que c'est assez chez la Jazanov, la justice, en fait, derrière, le petit curseur là, qui sera derrière. La justice, la société civile, un maillon essentiel de la recherche d'effectivité en matière de justice environnementale, on peut se rapprocher à ce que vous avez... Et puis aussi, on nous parle des territoires plus exposés au dérèglement environnemental global, quelles conséquences pour les populations locales. Alors bien évidemment, sur la question par exemple alimentaire, on a des pistes, et en tirant les fils, on a la question de la justice derrière.
Alors, j'ai l'impression que ces deux questions sont presque un exposé d'un oral de Sciences Po, donc je vais essayer de ne pas... Enfin de les, et en plus, elles sont très, extrêmement intéressantes, donc c'est pas ce que je veux dire, c'est juste que il faudrait que je réfléchisse à une réponse beaucoup plus structurée que ce que je vais réussir à faire. Moi, ce qui me semble absolument important en matière de société civile, ce que j'essayais de dire, c'est que précisément, les cadrages dont je parlais tout à l'heure, c'est des cadrages qui sont très institutionnels, liés à des arbitrages politiques, ou quand tu disais cadrage dominant, c'est évidemment lié aussi à des rapports de pouvoir dans les institutions telles qu'elles sont organisées. Et donc, il est absolument important que des sociétés civiles puissent contester ces cadrages. Dans les instances de la recherche agronomique internationale, institutions intergouvernementales, probablement assez méconnues d'entre vous, mais il y a bien une forme d'organisation internationale de la recherche agronomique internationale comme un bien public à l'échelle internationale. Il y a tout un effort d'essayer de faire participer au moins les organisations de producteurs agricoles du Sud à cette discussion pour que ça ne soit pas pour pluraliser, j'allais dire, et la question du pluralisme à ce moment-là est absolument indispensable, pour pluraliser la manière dont on envisage les technologies dont on va avoir besoin demain. Et cette bataille, elle est encore en cours. Des acteurs massifs comme la Bill & Melinda Gates Foundation sont extrêmement critiqués. Ils ont plein d'autres intérêts. Moi, je ne fais pas du Gates bashing, parce qu'en ce moment, ça devient très facile pour des raisons de théorie du complot qui sont complètement stupides. Mais là, je parle de la Fondation Gates, acteur économique massif qui finance aujourd'hui de manière très importante la recherche agronomique internationale, avec une vision assez unique de... très, très centré sur augmenter les rendements par tous les moyens, et donc pas du tout une vision systémique du fait que l'innovation en agriculture, c'est une innovation qui doit être territoriale, qui doit inclure les agriculteurs, la dimension sociale, et le paysage agricole n'est pas uniquement une plante ou un animal qu'on doit pousser à être toujours plus productif par unité de ressources. Donc ça, c'est sur la société civile. Et l'autre point, excusez-moi, C'était au fond la localisation, mais c'est au fond... C'est une question qui est très liée à ce que vous venez d'évoquer. La pluralisation, c'est aussi, chez Jezanov, c'est aussi une décolonisation au fond de cette question-là. La seconde question, c'était au fond sur la localisation, effectivement, diversifiée sur le globe des conséquences environnementales. Effectivement, là, on tombe à plein sur la question de la justice environnementale entre pays, hein, qui est une question qui agite toutes les conventions, notamment la Convention climat, et qui n'a pas trouvé de solution très satisfaisante. En matière de sécurité alimentaire, juste pour essayer de donner un peu quelques indications, effectivement, les zones tropicales vont être particulièrement... Les zones, disons, tropicales au sens le Sahel, par exemple, vont être particulièrement touchées par une augmentation... de la variabilité et donc des problèmes d'accès à l'alimentation qui vont être particulièrement importants. Les zones intertropicales vont aussi avoir, donc les zones plus humides vont aussi être des zones assez problématiques. En revanche, on aura des possibilités probables, enfin probablement des possibilités de production agricole accrues dans les zones septentrionales, Canada, Sibérie. Et donc on a là des enjeux qui se posent. Je pense qu'il faut à chaque fois relocaliser non seulement en fonction du climat, mais aussi des quantités de population. Et juste pour citer un autre exemple absolument essentiel, l'Égypte et ses plus de 100 millions d'habitants, avec une problématique à la fois d'accès à l'alimentation et d'emploi qui ressemble un peu à celle que j'évoquais tout à l'heure. Et donc on a des situations nationales qui sont absolument critiques, et il faut les reposer comme ça, et pas uniquement dans une logique de se dire comment est-ce qu'on va produire plus quelque part pour nourrir des gens qui sont ailleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été complètement recadré. Il ne suffit pas que nous, on produise plus et qu'on envoie de la production agricole, parce que ça, c'est vraiment Amartya Sen, la base 82. Il faut que ces personnes et ces agriculteurs, et parfois aujourd'hui qui sont plus des agriculteurs, aient eux-mêmes les moyens d'accéder à la prospérité, au bien-être et à la sécurité alimentaire. Merci beaucoup. Si vous avez encore une minute, s'il y a une question dans la salle, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Oui, nous avons une question dans la salle. Je crois que nous avons un micro aussi qui pourrait éventuellement être fourni. Merci beaucoup. Est-ce qu'il fonctionne ? Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai une question un petit peu de praticien du droit. Lorsque l'on aborde le sujet justement du renouvellement ou de l'évaluation des techniques agricoles actuelles, en fait, aujourd'hui, je trouve qu'on a un petit problème. On se demande à qui s'adresser. Lorsque l'on s'adresse aux agriculteurs, on comprend bien qu'ils sont un petit peu entre le marteau et l'enclume, et que d'autres intérêts au-dessus de leur tête les obligent quelque part à œuvrer avec les méthodes que l'on dit aujourd'hui conventionnelles. J'aimerais du coup savoir si vous aviez à l'IDRI d'autres acteurs comme ça dans le viseur. Merci.
Merci beaucoup pour cette question parce qu'elle est absolument centrale. Effectivement, je pense que les agriculteurs, eux, ils aimeraient bien se faire évaluer sur la multifonctionnalité. Les discours stratégiques des syndicats agricoles majoritaires sont toujours un peu spécifiques, mais disons que la grande majorité de la population aimerait bien, depuis le discours sur la multifonctionnalité, dire il y a le rendement, mais il y a tout un tas d'autres choses qu'on aimerait produire d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental. Mais on ne peut pas. Parce qu'on est coincé. Je donne juste un exemple frappant, c'est moi qui vais me mettre en retard tout seul. Il y a un excès d'utilisation d'azote chimique dans le bassin parisien, sur lesquels on a beau essayer de dire qu'il y a tout un tas de démarches de progrès par ajustement marginaux, on n'arrive pas à le traiter. Et quand on va au bout du problème, le problème vient du fait que les boulangeries du bassin parisien deviennent de plus en plus des boulangeries industrielles, que par conséquent, leur cahier des charges, pour des raisons que je ne maîtrise pas, de procédés industriels, c'est qu'il faut que le blé soit, et la farine de blé ait un très fort contenant en protéines pour que la pâte soit plus visqueuse. Par conséquent, on demande à tous les agriculteurs d'avoir des normes où il faut qu'il y ait beaucoup d'azote, enfin beaucoup de protéines dans le blé, donc beaucoup d'azote appliqué, et donc ils sont obligés de charger, donc ils ne peuvent pas eux le faire si on n'a pas les débouchés qui leur débloquent ça. Et donc effectivement, je pense que ça c'est relativement bien admis et qu'il y a eu des travaux qui nous ont permis de franchir une étape dans la discussion avec les agriculteurs. C'est des travaux de nouveau du champ des Science and Technology Studies qui décidément nous sont bien utiles dans cette période compliquée. Là, c'est les travaux sur les régimes socio-techniques en innovation et la transition. Il y a eu donc Jean-Marc Ménard de l'INRA a fait une superbe étude avec tous ses collègues en 2013 qui disait voilà, en fait, on a un problème en France, c'est la spécialisation des régions et on aurait besoin de rediversifier nos rotations qui deviennent de plus en plus simples et de plus en plus. Autour de Paris, c'est blé-blé-colza. Et ça, ce n'est pas les agriculteurs qui décident, c'est les filières à l'amont. Et donc, si on veut rediversifier, on a besoin d'avoir de dézoomer pour prendre en compte tout le régime socio-technique d'innovation, mais aussi l'organisation de la filière, et qu'on ne va pas pouvoir le déverrouiller uniquement avec une incitation économique ou une norme chez les agriculteurs. Il faut essayer de traiter l'ensemble de la chose. Et donc, nous, effectivement, à l'IDRI, on travaille aujourd'hui sur la stratégie nationale bas carbone française, sur cette question de la rediversification, avec les grandes coopératives laitières d'un côté, céréalières de l'autre, pour avoir deux régions un peu contrastées, en disant, mais comment on fait si on veut réintroduire des prairies permanentes dans un bassin parisien qui les a toutes perdues avec le départ de l'élevage. On a des irréversibilités que les agriculteurs tout seuls ne peuvent pas résoudre. Et donc, voilà. Je réponds oui. Maintenant, comment on fait? Ça serait une autre conférence. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, je m'excuse de devoir m'éclipser avec... Merci beaucoup, Sébastien Treillève. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Donc, je me tourne maintenant vers Sébastien Denis et Marie Gaille. Donc, Marie, peut-être que vous pourriez revenir dans un premier temps sur le sens même du terme d'inégalité environnementale. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors, effectivement, il me semblait important, dans un premier temps, de détricoter un peu cette notion d'inégalité environnementale. Alors, évidemment, on en est déjà à la troisième ou quatrième conférence de votre cycle. Donc, vous avez déjà peut-être vu ces éléments. Mais il me semblait important de revenir à cette question du sens et de donner quelques éléments de cadrage. Déjà, en posant la question de savoir qui est concerné par ces inégalités. Et notamment pour interroger le fait de savoir si on doit s'intéresser seulement aux êtres humains ou aller un petit peu au-delà des êtres humains et peut-être considérer le reste du vivant, les espèces animales. Alors, pourquoi je pose cette question? Parce qu'effectivement, dans la philosophie environnementale, il y a eu énormément de réflexions qui se sont développées pour dépasser une vision anthropocentrée, et il me semble qu'elle a une certaine pertinence, y compris quand on s'intéresse aux inégalités environnementales et aux conséquences sociales de ces inégalités. Alors, je vais essayer de développer ce premier point et en tout cas de donner des éléments pour explorer cette piste. Alors, effectivement, on pourrait aussi vouloir, dans une réflexion sur les inégalités environnementales, prendre en compte le devenir, le sort des écosystèmes à différentes échelles, ce qu'on a appelé la biodiversité. Et on sait qu'il existe déjà des lois sur la diversité biologique dans certains pays, comme le Costa Rica, par exemple. On pourrait aussi vouloir prendre en compte la nature de façon très large, au sens où ma collègue philosophe Virginie Maris, dans un ouvrage qui est paru il y a 2 ans, intitulé « La part sauvage du monde », évoque la nature qui serait quelque chose d'indépendant en fait, de l'action humaine,
telle qu'elle a pu être thématisée à travers la notion d'anthropocène, et qui, contrairement à ceux qui tiennent la vision selon laquelle il n'y aurait plus du tout de nature sauvage, au contraire, réaffirme la part du sauvage dans le monde, y compris d'ailleurs dans les villes, lorsque les herbes, elle cite cet exemple, transpercent le bitume. Et puis certains sont allés jusqu'à proposer de tenir compte de la Terre, de la biosphère dans son entier, en soulignant que cette réflexion sur la relation à la Terre était en fait autant une réflexion sur la relation à soi-même et aux êtres humains. Donc vous voyez qu'il y a une pluralité de termes et de notions qui peuvent être aussi mobilisées. Les écosystèmes, la biodiversité, la nature avec cette part sauvage, la terre elle-même, pour lesquelles la question aussi peut être posée des inégalités environnementales. Et je disais tout à l'heure que même si on veut s'intéresser seulement se concentrer sur les conséquences sociales pour les êtres humains des mutations environnementales, il est aussi tout à fait pertinent de ne pas s'en tenir aux seuls êtres humains. Pourquoi ? Parce que ces êtres humains, à titre individuel ou collectivement, accordent de la valeur affective, symbolique, économique à la biodiversité, à leur environnement de vie, aux écosystèmes qui les composent, aux animaux. Et donc, une réflexion, me semble-t-il, sur les inégalités environnementales ne peut être anthropocentré stricto sensu, parce qu'il s'agit effectivement de considérer cet être humain dans une dimension mésologique, hein, reliée à son milieu, à différentes échelles, à différents types de milieux et à travers une multiplicité de relations possibles, encore une fois effectivement liées à des besoins, comme l'évoquait notre premier orateur, hein, la sécurité alimentaire, mais aussi au-delà de ces besoins vitaux, des relations qui peuvent être plus de l'ordre de l'affectif et du symbolique. Et il y a eu des travaux tout à fait intéressants suite à des catastrophes industrielles, comme ceux de la sociologue Laura Saint-Emery sur Céveso, qui mettent en évidence l'attachement que les êtres humains éprouvent à l'égard de leur environnement de vie, dont parfois ils ne se rendent compte qu'à posteriori, quand ils sont obligés de le quitter, comme les habitants de Céveso ont été obligés de délaisser leur habitat pour quitter une zone sinistrée. Donc peut-être le premier point, c'est essayer de garder en tête que même si on s'intéresse seulement à ces conséquences sociales, il faut avoir une vue extrêmement élargie de l'idée d'inégalité environnementale et des entités que l'on considère lorsqu'on essaye de thématiser ces inégalités environnementales. Donc une vision un peu mésologique finalement de l'être humain. Alors, second élément de cadrage pour identifier un peu ce dont on parle, je voulais essayer de préciser un petit peu sur quoi portaient ces inégalités environnementales. Alors, elles portent sur une grande diversité de choses, et c'est vrai que la notion est extrêmement accueillante, et c'est pour ça qu'on a besoin, à mon sens, de la préciser un petit peu. Elles portent sur la question de l'accès à des biens, qui peuvent être de tous ordres, hein, comme je le disais, certes économiques, mais aussi de l'ordre de la jouissance esthétique, ou de la jouissance d'un environnement qui permettrait de rester en bonne santé. Ces inégalités environnementales, elles portent éventuellement sur l'environnement dans lequel les êtres humains naissent, vivent et meurent. Et de la même façon qu'en bioéthique, on a pu évoquer la loterie génétique, au sens où effectivement tout être humain arrive sur la planète Terre en étant doté d'un certain génome qu'il n'a pas choisi, eh bien on pourrait souligner que les personnes naissent, vivent et meurent dans un environnement qui est très différent de l'environnement d'un autre en termes de ressources et de qualité de vie. Donc ces inégalités environnementales, elles peuvent aussi porter sur simplement l'environnement dans lequel on est amené à vivre ou à se déplacer. Et puis, un troisième ordre, semble-t-il, d'inégalité, d'objets sur lesquels ces inégalités peuvent porter, c'est vis-à-vis des dangers et des risques que représentent les environnements de vie, notamment en termes de santé, de qualité de vie, voire de vie tout court. Donc là aussi, on a une stratification importante, et peut-être que si dans ce séminaire, on s'intéresse aux conséquences sociales des mutations environnementales, on s'intéresse peut-être avant tout au troisième type d'inégalité, donc peut-être donc une caractérisation
de l'exposition aux risques et aux dangers, eh bien, les deux premières formes possibles d'inégalité que j'indiquais, accès à des biens et loterie environnementale, pour ainsi dire, doivent aussi, à mon sens, être prises en compte dans la mesure où, par exemple, les mutations environnementales actuelles ne sont pas sans conséquence sur ces autres formes d'inégalité. Par exemple, si le changement climatique contribue à faire disparaître une île par la montée des eaux, non seulement les habitants vont perdre l'accès aux ressources alimentaires qu'elle offre, mais aussi tout le mode de vie associé à la vie insulaire, puisqu'ils vont être obligés de quitter l'île et d'aller chercher ailleurs un autre espace de vie. Donc il y a en plus une interaction entre ces différents types d'inégalités. Voilà, et puis peut-être pour terminer sur ces éléments qui permettent d'approcher la notion d'inégalité environnementale, je voulais faire deux autres petits points. Un premier point pour lequel je mobiliserai la référence à Ulrich Beck, donc un sociologue qui, au lendemain de Tchernobyl, a écrit l'ouvrage « La société du risque » en 1986, dans lequel, en fait, il a proposé deux hypothèses concernant les inégalités environnementales qu'il voyait apparaître sous ses yeux. L'hypothèse 1, c'est que nous serions aujourd'hui tous confrontés aux mêmes dangers, sans d'ailleurs nécessairement les voir, dans la mesure où ceux-ci ne sont plus cantonnés à certains espaces, comme dans les premiers temps de l'industrialisation, où on pouvait très, très bien localiser à certaines usines, à certaines formes d'exploitation, des sources de pollution ou de mise en danger de la qualité de l'environnement. Et donc, en fait, si on suit cette hypothèse, selon Ulrich Beck, en fait, on n'est pas si inégaux que ça en termes de risques et de dangers par rapport à ce qui nous vient de notre environnement, puisque finalement, aujourd'hui, à travers l'air qu'on respirerait, la nourriture qu'on mangerait, les boissons qu'on ingérerait, on serait tous confrontés, plus ou moins, pauvres et riches, au même risque. Et il a cette formule qui résume bien les choses dans son livre. La pénurie est hiérarchique, au sens où les riches arriveront toujours à s'en tirer. Le smog, le nuage de pollution, est démocratique. Alors ça, c'est une première hypothèse qu'il développe, mais il développe aussi une seconde hypothèse dans laquelle il souligne au contraire que le monde n'est pas homogène et n'est pas armé de façon égale dans sa lutte contre la pénurie et son développement industriel. Il vaut effectivement aussi explorer l'idée d'une exposition inégale face aux risques et à une structuration spatiale inégale de l'exposition aux risques environnementaux. Et il va notamment développer cette seconde hypothèse à travers une critique des cartes d'exposition à tel ou tel risque qui sont réalisées en se fondant sur des moyennes d'exposition au risque au lieu d'essayer d'adopter une approche différenciée par classe d'âge, par sexe, par conditions socio-économiques et de montrer finalement que on serait plutôt dans des cartes de risque stratifiées aussi à nouveau de façon multiple et que finalement la moyenne n'est pas peut-être ici le meilleur indice des dangers et des risques auxquels tout un chacun peut être exposé. Pardon. Et ce que je trouve intéressant dans son ouvrage, finalement, c'est qu'il nous invite à ne pas choisir entre ces deux hypothèses. Alors ça nous laisse un peu dans l'indétermination, mais il suppose aussi que finalement, dans certains cas, on sera très inégalement exposé, et dans d'autres, finalement, l'exposition concernera à part égale, pour ainsi dire, tout un chacun. Voilà. Et le dernier point que je voulais faire pour essayer donc de compléter cette première approche des inégalités environnementales, c'est que cette analyse, en fait, du risque et de l'exposition, que je viens de rappeler à travers l'évocation du travail d'Ulrich Beck, elle ne tient pas compte de toute une partie de travail qui s'est beaucoup développé ces 40 dernières années, je dirais, sur la manière dont les personnes perçoivent, se représentent le risque, dont ils l'évaluent aussi à l'aune de leur propre échelle de valeur, de la manière dont ils conçoivent leur existence. Et finalement, cette analyse qui met en avant la question de la représentation, de la perception et de l'évaluation du risque
elle a aujourd'hui, d'une certaine manière, permis de dépasser une opposition un peu binaire et un peu simpliste qu'on trouvait beaucoup au départ dans la littérature sur les inégalités environnementales entre le risque objectif et sa perception subjective. Bon, c'est une opposition qui est sans doute un peu simpliste, bien qu'elle nous mette sur la piste d'un questionnement, à mon sens, tout à fait fondamental sur lequel je reviendrai par la suite. Mais là où elle est effectivement un peu simpliste, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un côté de connaissances qui seraient avérées sur le risque et qui permettraient de l'objectiver, et de l'autre une sorte d'appréciation subjective un peu ignorante. Il faut aussi y faire rentrer la manière dont les personnes évaluent ce qui compte pour elles dans leur existence, dans le rapport à tel ou tel risque. Et comme l'ont montré très bien aussi certains travaux récemment, elles peuvent être extrêmement conscientes du risque, l'évaluer de façon à le minorer ou l'évaluer de façon forte, enfin en tout cas en reconnaissant qu'il y a un risque fort, mais estimer qu'elles n'ont pas d'alternative, pas de lieu où aller vivre plutôt que l'endroit où elles vivent, pas de travail autre qu'elles pourraient faire pour se protéger de ce risque, etc. Donc il me semble important, effectivement, quand on aborde la question des inégalités environnementales, pour me résumer, d'avoir à la fois une appréhension très large qui tient compte des relations de l'être humain à son environnement, à ses écosystèmes, etc., de ne pas trancher si vite sur la question de savoir si on est toujours inégaux face au risque environnemental, et puis de tenir compte de la manière dont les personnes intègrent un certain nombre d'éléments pour apprécier le risque, des connaissances, mais aussi des valeurs et une estimation de leur capacité de résilience ou de rebond face à ces risques. Voilà, c'est les éléments que je voulais peut-être... Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant, parce que là encore, on est au fond dans la construction sociale et culturelle des notions qui seront en réalité prises dans les processus judiciaires qui nous intéressent. Et au fond, c'est très très intéressant, parce que prenez deux exemples qui sont vraiment passionnants. La question de l'inégalité, c'est-à-dire justice, mais pour qui, entre les personnes, mais aussi l'inégalité entre les personnes et les choses. Et donc, vous convoquez tout un jeu aussi de nouvelles, en fait, représentations, discours qu'il faut accueillir aujourd'hui. Bah, la question des non-humains, par exemple, dont je ne suis pas tout à fait certain que les termes... résonne très souvent dans cette salle, et qui pourtant agite l'ensemble de la planète aujourd'hui. Et donc, ce que vous faites, c'est ce qu'au fond, on vient de faire dans le champ autre, c'est permettre une appropriation par le monde judiciaire de ces nouvelles représentations. Donc, c'était vraiment très intéressant. Alors, j'ai une question toujours que m'ont envoyé les élèves de l'ENS Rennes. C'est une question d'élèves de l'ENS, donc je vous la donne comme telle. Donc, justice environnementale, distributive ou commutative? Je suis content de ne pas avoir à y répondre. Je peux soulever mon petit joker en attendant la suite sur cette question, parce que j'aimerais bien pouvoir y revenir par la suite. Oui, ouais. D'autant plus qu'au fond, ce que vous dites, c'est qu'il faut reposer les questions avec de nouvelles catégories. Peut-être que... Voilà, peut-être que ce n'est pas nécessairement ces catégories qui sont essentielles. La transition est toute faite vers l'épidémiologie. Sébastien, je vous laisse nous éclairer sur ces liens qui sont faits entre les territoires, là où on vit, les expositions et puis la santé publique. Merci Béatrice et merci aux organisateurs de m'avoir invité dans ce cadre somptueux, aussi en compagnie d'orateurs vraiment très intéressants. Et donc au fur et à mesure des interventions, là j'ai noté quelques points parce que j'aurais aimé aussi intervenir, et Béatrice, vous m'aviez demandé d'intervenir plutôt sur l'aspect qualité de l'air, qui est un point, effectivement un facteur de risque qui illustre bien ces notions d'inégalité. Avant, pour dire que l'épidémiologie, c'est la science de l'observation de l'état de santé de la population, et qu'on cherche bien sûr à aller plus loin, on cherche à relier l'état de santé de la population à des déterminants environnementaux. C'est ce qu'on fait à Santé publique France dans ma direction, et que cette recherche elle est parfois très compliquée, parce que Madame Gaille, vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup de risques environnementaux qu'on peut sectoriser. On a parlé
On a parlé de pollution de l'air, on va en parler un peu plus. On a parlé des substances chimiques, on parle beaucoup en ce moment de la 5G. Donc on est effectivement tous concernés par des expositions à des risques environnementaux. Évidemment, par rapport à l'air, on est tous égaux dans le fait qu'on est exposé à de l'air, et cet air est bien sûr le plus souvent pollué, hein, puisqu'il existe très peu de zones, notamment sur le territoire national, qui fait l'objet de zones non polluées, et que cette pollution, elle a des origines diverses. Donc évidemment, elle a des origines anthropiques, donc c'est tout ce qui est lié aux activités industrielles ou aux activités agronomiques, mais elle a aussi une origine individuelle, hein, puisque en fonction des composés qu'on utilise dans son air intérieur, on peut être soumis à des expositions liées à des substances émises par des bougies, par exemple, incandescentes qu'on utilise dans son ambiance intérieure. Et que donc chaque individu, dans son quotidien, est exposé à un air qui va pouvoir comprendre un certain nombre de polluants. Et donc, d'ailleurs, en respirant l'air que l'on respire, on est confronté également à ce qu'on appelle l'effet cocktail, puisque l'air va contenir à la fois des particules, donc qui relèvent plutôt du risque physique, mais aussi un grand nombre de substances chimiques, hein, donc par exemple, pour les plus connus, les gaz à effet de serre, on a parlé des questions de changement climatique, mais aussi des NOx ou du SO2, par exemple, si on se situe au voisinage de zones industrielles. Donc voilà, donc on est tous, pour reprendre un peu vos propos, hein, exposés à un air qui est potentiellement contaminé, et ça, les travaux le montrent. Maintenant, on ne va pas tous réagir de la même façon à cette contamination. Donc déjà, comme vous le disiez, en fonction de là où on réside, on ne sera pas exposé à la même intensité de pollution. Hein. Les personnes qui habitent dans des zones rurales sont a priori moins exposées que des personnes qui habitent en zone industrielle ou en zone urbaine, et d'autant plus en zone industrielle où on va avoir des émissions qui pourraient être importantes liées à des activités industrielles qui d'ailleurs se cumulent avec d'autres facteurs de risque. Vous avez mentionné la question des risques professionnels, et donc là on est vraiment confronté à une conjonction, une agrégation de facteurs de risque très importants. Et en zone rurale, on sera moins exposé à des sources industrielles ou anthropiques, mais on sera exposé quand même à des sources notamment liées à l'activité agricole. Donc les personnes vont réagir différemment. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. On aura des enfants, des femmes enceintes qui seront plus vulnérables à des questions de pollution atmosphérique. Des personnes qui ont déjà une maladie chronique seront également plus vulnérables à des questions de pollution atmosphérique. Évidemment, des personnes âgées seront également plus vulnérables à ces questions de pollution atmosphérique. Donc, pour reprendre la loterie environnementale et l'accès à des biens, je dirais, il y a aussi l'accès à des systèmes de santé, puisque lorsqu'on est âgé, on peut être isolé et donc avoir moins accès accès au système de soins. De même, lorsqu'on est une personne qui ne connaît pas bien le système de soins en France, on peut avoir des difficultés d'accès aussi à ce système de soins. Et donc, l'accès à des biens, c'est aussi l'accès au système de santé. Et on le voit très bien pour une autre problématique que la pollution de l'air, c'est la question des canicules, puisque ce sont d'ailleurs des questions qui sont imbriquées, hein, puisque les effets sanitaires de la pollution de l'air sont accrus dès lors qu'il y a des épisodes de chaleur, comme on en a connu cet été au mois d'août, hein, de manière assez exceptionnelle. Alors c'est un peu passé inaperçu avec l'épidémie de la Covid, mais on reparlera d'ailleurs de la Covid, je pense. Mais en tous les cas, ces phénomènes sont d'autant plus importants et intenses en termes d'impact sanitaire que les personnes sont fragiles et isolées. Et donc, par exemple, lors de la canicule de 2003, on a vu beaucoup de personnes qui étaient mortes de la canicule, parce qu'en plus, là, on a un risque de mortalité qui est très important, lié à des expositions à chaleur, qui habitaient dans des secteurs isolés ou dans des appartements très isolés, isolés physiquement, mais des appartements qui, entre autres, étaient très mal isolés d'un point de vue thermique. Et donc, ces personnes-là, isolées, n'avaient pas accès à des proches, et c'est pour ça que depuis, c'est mis en place un ensemble de mesures pouvant vérifier la proximité des personnes avec d'autres ou des registres communaux de recensement de ces personnes isolées. Donc, je dirais que l'accès aux soins et le fait que les personnes soient bien entourées sont aussi des déterminants qui permettent de réduire les risques. Donc,
La pollution de l'air, finalement, elle a, on pense évidemment en premier lieu à des problèmes respiratoires. Donc évidemment, la pollution de l'air aura des impacts sur la santé respiratoire, le cancer du poumon par exemple, de l'asthme ou d'autres pathologies respiratoires. Mais c'est peut-être moins connu, la pollution de l'air est également un large panel d'impacts sanitaires. On pense aux maladies cardiovasculaires. Donc tout cela fait l'objet bien sûr d'une documentation scientifique très, très nombreuse dans la littérature. C'est également des conséquences neurologiques, mais aussi des conséquences liées à la composition des particules de l'air et de la pollution de l'air par rapport à des effets perturbateurs endocriniens. Donc on pourrait avoir des conséquences sur la dérégulation hormonale de l'organisme. Et donc ça, c'est tout ce qui a trait, par exemple, à des effets sur le diabète. Et que dans les cas les plus graves, la pollution de l'air peut réduire l'espérance de vie, avoir un impact sur la mortalité. Et donc ça, on arrive à le déterminer par des études épidémiologiques qu'on appelle des études de cohorte, qui sont des études de très longue haleine. Il faut plusieurs dizaines d'années pour pouvoir obtenir des résultats qui permettent de mettre en relation des caractéristiques de l'air pollué et des événements de santé, en particulier ici la mortalité. Et selon l'OMS, on peut lier mortalité et concentration aux particules fines, notamment les particules de 5 micromètres de diamètre. Donc, lorsqu'on a fait une estimation, on a fait une estimation par le biais d'un outil épidémiologique qu'on appelle une étude quantitative d'impact sanitaire, on s'est rendu compte que la pollution atmosphérique engendrait 40 000 décès par an en France. Donc ça, c'est pour l'ensemble du territoire national. Mais que si on s'intéresse à des zones en fonction de leur caractère urbain ou rural, et donc là, on rejoint la question des inégalités d'exposition, on avait des gradients dans les impacts liés à cette pollution de l'air. Par exemple, pour les communes supérieures à 100 000 habitants, en moyenne, on a une perte de 15 mois d'espérance de vie à 30 ans. Donc la perte d'espérance de vie à 30 ans est un indicateur épidémiologique qu'on utilise pour caractériser ces impacts. Donc 15 mois d'espérance de vie à 30 ans pour des communes supérieures à 100 000 habitants. En zone rurale, cette perte est en moyenne de 9 mois d'espérance de vie. Donc vous voyez que c'est pas, on pourrait se dire en zone rurale on est indemne et protégé de la pollution de l'air, mais en fait c'est pas négligeable. Et à l'échelle d'une population, c'est évidemment d'autant plus important qu'on multiplie par le nombre d'individus résidant dans ces zones-là. Ce qui est important en épidémiologie et par rapport au droit, c'est qu'on raisonne à l'échelle d'une population. Et que donc, on reviendra, je pense, tout à l'heure sur la question de causalité. Donc, la causalité, on l'établit selon des critères, qui sont des critères de Hill, donc des critères qui permettent de dire que, à partir de ces études épidémiologiques, on arrive à faire une relation, qu'on appelle une relation exposition-risque, entre le fait d'être exposé ou surexposé à des particules fines, en l'occurrence, et la mortalité. Et donc ce risque, il est établi à partir de preuves épidémiologiques et aussi de preuves toxicologiques. Donc la toxicologie fait plutôt référence à des études en laboratoire dans lesquelles on voit très bien la pénétration des particules fines dans l'organisme d'animaux de laboratoire, par exemple. Donc ça, ce sont des études, par exemple, de Franceline Marnaud, qui est professeure à l'Université de Paris, qui montre ça. Donc cette causalité, on l'établit à une échelle populationnelle. Et donc, on anticipe un peu les discussions qu'on aura, je pense, mais il est beaucoup plus délicat sur des pathologies comme des indicateurs en termes de pathologies cardiovasculaires ou neurologiques, d'établir un lien de causalité individuel sur le lien entre ces pathologies et la pollution de l'air. Donc, on a vraiment une approche populationnelle qui, nous permet de préconiser des recommandations pour l'action, puisqu'évidemment, nous sommes là aussi dans une optique de plaidoyer pour faire des recommandations au pouvoir public, puisque le fait de dire que 40 000 décès sont liés à la pollution de l'air, c'est de dire aussi que derrière, si on agit sur la pollution de l'air et en particulier sur les normes de pollution en particules fines, on va réduire cet impact. Et donc on peut également estimer, et je pense que tout à l'heure on parlera plutôt des normes, mais je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais en tous les cas, ok, j'en parle. Donc, désolé, j'avais aussi prévu des slides que je donnerai parce qu'il y a plus d'illustrations. Donc aujourd'hui, on estime que si on s'approche de la valeur cible 2020 de la directive européenne, qui est à 20 microgrammes par mètre cube de particules fines 2,5 micromètres, on éviterait 10 décès. On dépasse un peu déjà cette norme. Si on s'approchait de la norme recommandée par l'OMS, qui est à 10 microgrammes par mètre cube, qui est donc
plus faible d'un facteur 2 que la norme cible qui est réglementée, enfin, qui est prévue par le droit, on éviterait 17 700 décès. Donc vous voyez qu'une division par un facteur 2 a quand même un impact considérable en termes de réduction du nombre de décès. Et donc ça, ce sont... À l'échelle de la France. Donc ça, ce sont des outils épidémiologiques qui nous permettent de faire du plaidoyer de santé publique pour une action du pouvoir public, des pouvoirs publics, puisque, évidemment, le meilleur traitement, c'est un épidémiologiste qui disait ça, hein, le meilleur traitement médical en termes de qualité de l'air, c'est de résoudre les problèmes à la source, donc de résoudre la question des expositions, donc de faire en sorte que les expositions à la source diminuent. Après, évidemment, en cas de pic de pollution atmosphérique, comme il y en a souvent en région parisienne, on peut recommander des mesures de prévention individuelle. On va dire aux personnes qui sont asthmatiques d'éviter de faire du sport, de moins sortir peut-être les jeunes enfants, etc. Mais cette action-là sera beaucoup moins efficace à l'échelle de la population que des actions de réduction à la source de ces émissions-là. Merci beaucoup. Tu voulais poser une question ? Écoutez, si on peut continuer le jeu des questions, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Donc je me fais le porte-parole de ces élèves de l'ENS qui sont intéressés par plusieurs choses que vous avez évoquées. Une première chose, c'est justement d'avoir la question de... C'est une question un peu juriste, mais des niveaux de régulation. Et la question en fait qu'ils vous posent, c'est du rôle de l'Union européenne. Alors, vous avez évoqué l'OMS, mais dans ce jeu de référentiel, qu'en est-il du rôle en fait, de l'Union européenne. Ça, c'est la première question. Aussi, la deuxième question, mais je pense qu'en fait, c'est la question qu'on va aborder, c'est la question de l'articulation de méthodologies qui sont celles de, par exemple, l'épidémiologie, qui va parler en termes de collectif, avec l'articulation du problème du droit qui, souvent, mais pas toujours, pose des questions en termes d'individualité. Voilà. La deuxième question, on revient dans la deuxième. Oui, bien sûr, voilà, c'est pour ça que j'avais. Donc, bien sûr, c'est impossible de répondre à ces deux questions en peu de temps, mais voilà. Très vite, en fait, l'Union européenne fixe les seuils réglementaires qui sont ensuite transposés dans les États membres. Et donc, c'est l'exemple de la valeur cible 2020 de la directive européenne sur la qualité de l'air à 20 microgrammes par mètre cube. Mais on voit déjà que la France a eu plusieurs contentieux en matière de qualité de l'air. Donc, on a, nous, un travail d'expertise qui montre que, évidemment, respecter ces seuils n'est pas suffisant puisqu'on a un impact sanitaire. Mais qu'en plus, si on appliquait des seuils OMS, qui sont donc des seuils sanitaires, donc qui tiennent compte plus d'effets de santé, on arriverait encore à réduire l'impact de la qualité de l'air sur la santé de la population. Donc là, on a ce travail d'expertise, mais qui, évidemment, se traduit derrière... par les recommandations qu'on peut mettre, par un travail qui est beaucoup plus difficile d'arriver à convaincre à la fois l'Union européenne, comme vous le dites, hein, d'arriver à baisser ses seuils en prenant de manière plus rapprochée le critère sanitaire. Et évidemment, donc là, on est dans aussi la notion de transition, puisque la transition, il ne suffit pas de dire j'ai un seuil, j'économise, enfin, j'évite 15 000 décès. Encore faut-il accompagner les collectivités, les industriels, pour pouvoir diminuer ces seuils-là. Donc nous, on est là dans une optique de plaidoyer de santé publique, et qu'après, le gestionnaire, lui, a d'autres paramètres, notamment les paramètres socio-économiques, qui sont moins du registre de Santé publique France, mais pour pouvoir faire le travail nécessaire pour pouvoir abaisser ces seuils-là. Leur question, en fait, elle était vraiment intéressante, parce qu'elle montre que donc, la co-construction science-droit, c'est aussi avec des scientifiques européens et des juristes européens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un débat qui est mondial, même s'il y a une particularité européenne, puisque ça... S'il y avait un domaine où on peut ne pas se poser la question de l'utilité de l'Union européenne, c'est justement celui-là. On va pouvoir rentrer dans une phase un peu plus technique, peut-être, et s'interroger sur les outils qu'on pourrait utiliser dans ces approches-là. Marie, peut-être que vous pourriez nous parler des différents outils mobilisés face à ces inégalités environnementales et peut-être la question de la connaissance. Je vais enchaîner. Alors oui, effectivement, ça s'enchaîne assez bien avec le propos de Sébastien Denis, parce que un des enjeux principaux, effectivement, comme vous le savez, c'est de savoir sur quel type de science on peut s'appuyer pour avancer des données certaines et comment ces connaissances vont
être convertis, transformés en outils juridiques. Donc je ne vais pas répondre à cette question car ce n'est pas mon métier, mais je voulais, tout en repartant peut-être d'un premier point sur le chantier qu'à mon sens constitue cet ensemble de connaissances en cours d'élaboration, en fait, hein, sur les impacts des mutations environnementales sur la santé humaine, peut-être pointer parmi les différents éléments qu'en philosophie politique, notamment, on a essayé d'élaborer, un certain nombre de préoccupations autour de ce qu'on appelle l'injustice épistémique. Alors, je voudrais simplement repartir effectivement d'abord de cette idée qu'on est aujourd'hui dans un chantier de connaissances, et je pense qu'il faut en prendre toute la mesure. Là, vous avez très bien donné cette, enfin, voilà, illustré à travers la pollution de l'air. Moi, je m'étais penchée sur une littérature relative au changement climatique et à ses effets sanitaires, et tant dans les données dont on dispose à l'OMS qu'à travers l'initiative qui a été lancée par la revue The Lancet en 2015, The Lancet Countdown, ou des travaux français, d'ailleurs pilotés entre autres par Franceline Marano, hein, et sur les conséquences sanitaires du changement climatique, tous ces travaux pointent des inégalités face au changement climatique, alors qui vont être associés à un différentiel de conditions socio-économiques, qui vont aussi être associés à un paramètre d'âge, et également aussi aux générations futures, hein, puisque une des préoccupations majeures du Lancet Countdown, c'est les enfants qui naissent maintenant ou qui vont naître et qui vont être très fortement impactés par le réchauffement climatique et les effets du changement climatique. Mais tout cet ensemble de textes aussi et de réflexions montrent qu'on est vraiment dans un savoir en train de s'élaborer. Oui, que la pluie ne va pas tomber, voilà. Qu'il y a encore énormément de démonstrations à mettre en place, notamment, effectivement, pour la question peut-être de l'articulation au droit, le passage de connaissances en population à des modalités de réflexion juridique qui vont permettre de s'intéresser à un individu en particulier. Alors, les philosophes s'intéressent beaucoup à la manière dont les juristes, finalement, dans le droit dont ils disposent, tricotent des solutions pour en tenir compte. Et moi, j'avais eu la chance, pendant 4 ans, de travailler avec, justement, une juriste qui s'appelle Sonia Desmoulins-Cancelier, qui avait montré la manière dont le recours au droit européen permet de faire des choses que le droit français ne permet pas de faire, enfin, emprunter des voies détournées, ou avec Frédéric Dreyfus-Netter, qui travaille ici sur le droit médical, et qui montrait aussi comment on peut finalement aujourd'hui exploiter certaines ressources du Code civil pour établir finalement des pistes de réflexion en droit que l'usage de connaissances probabilistes, qu'on ne peut pas encore finalement, qui permettent de contourner l'obstacle du fait qu'on ne peut pas utiliser des connaissances probabilistes ou des connaissances populationnelles. Donc moi, je suis pas inquiète fondamentalement, parce que je trouve que les juristes ont énormément de ressources et d'inventivité. Mais peut-être donc le point effectivement que je voulais faire plus en lien avec une littérature qui a l'intersection entre philosophie des sciences et philosophie politique, c'est ce point sur l'injustice épistémique, puisque effectivement, ce qui a été pointé, je dirais, depuis le début des années 90, c'est l'idée qu'il y a donc différentes formes d'injustice et que parmi les formes d'injustice possibles, il y a ce qui s'appelle la misconception, qui vient se rajouter finalement à tout ce qui est de l'ordre de la distribution, misdistribution, donc on reviendra à la question difficile qui a été posée tout à l'heure, et qui vient aussi s'ajouter à l'insuffisance, voire l'absence de reconnaissance, misrecognition, voire à l'absence de à toutes les questions d'injustice liées à la question de la représentation dans la sphère et les institutions politiques, la misrepresentation. Alors cette idée de misconception, en fait, qui n'est pas si évidente d'ailleurs que ça à traduire en français, pour moi elle renvoie à 3 types d'opérations dont effectivement le droit pourrait voir s'est déjà emparé. Hein. D'une part, les opérations de dissimulation, de distorsion ou de dévalorisation du savoir scientifique. D'autre part, toute la question du choix des données inappropriées, je reviendrai sur ce que signifie ce point, et puis
Un troisième point, qui est peut-être plus une esquisse que précise, mais qui me semble aussi important de souligner, c'est quelque chose qui relèverait de l'absence d'un souci de savoir, d'une forme de négligence en quelque sorte, à l'égard d'un savoir qu'on pourrait constituer et chercher à promouvoir. Alors, je passerai rapidement ces points un par un. Le premier, donc, qui tourne autour de la dissimulation, de la dévalorisation, de la distorsion d'un savoir existant, c'est sans doute le plus connu, puisque sont arrivés d'une part la traduction de l'ouvrage de l'historien américain Golden Holocaust, il y a quelques années, donc, et puis un ouvrage de Oreske et Conway sur les marchands de doute, et qui pointe la manière dont, en particulier à propos de l'exemple de l'industrie du tabac aux États-Unis, il y a eu une mise en œuvre, notamment par les industries privées et du tabac, de dénigrement de la connaissance scientifique, de mise en doute en fait de l'incertitude scientifique, et c'est un argument qui est particulièrement pervers à détricoter, dans la mesure où on peut dire que l'incertitude, elle fait partie de la vie et du travail scientifique, et qu'on conquiert sans cesse voilà, des formes de plus en plus assurées du travail, mais qu'il y a effectivement de l'ignorance, des formes d'incertitude. La connaissance scientifique, elle est constamment soumise à l'évaluation, à la discussion, elle est vouée à être complétée et remaniée, et malgré tout, donc malgré cette nature de la connaissance scientifique, il y a effectivement tout un travail de dénigrement qui a été fait des connaissances scientifiques, en particulier donc pour cette question du tabac, mais pas seulement, parce que dans leur ouvrage, les marchands de doute, ils mettent aussi une série de... Ils mettent en évidence une série d'opérations, donc notamment en territoire américain, hein, sur le réchauffement climatique. Bon, on en a évidemment un exemple majeur aujourd'hui avec le président même, mais aussi les trous dans la couche d'ozone, les pluies acides, etc. Et ils mettent l'accent sur le fait que, pour eux, en fait, la réponse à ces opérations de distorsion, de dissimulation, de dévalorisation du savoir, elle n'est pas seulement scientifique, elle est d'abord politique. Au sens effectivement d'un choix de société, hein, et je les cite, la recherche scientifique ne s'arrête jamais, et la question politique qu'il importe de poser est donc toujours de savoir si les preuves disponibles sont convaincantes, même si dans 10 ans le savoir scientifique aura évolué, pour le dire vite, hein, et si les faits établis l'emportent sur les incertitudes résiduelles. Et il conclut ce raisonnement en disant « la logique est celle d'une cour de justice ». Donc voilà, je soumets voilà, ce raisonnement à votre appréciation. Mais donc effectivement, voilà, la conclusion vers laquelle on va quand on s'appuie sur ce type de littérature, c'est quand même la nécessité d'avoir une attention accrue et une méfiance accrue à l'égard de ces opérations qui consistent à mettre en cause le savoir scientifique ou à en dénigrer certains des résultats. Deuxième élément constitutif de ce champ de la justice, hein, ou de l'injustice épistémique, c'est tout un questionnement, alors là, qui est plus centré, plus fondé sur la philosophie des sciences, sur le choix de données qui seraient inappropriées. Alors, je m'appuierai ici notamment sur des travaux d'une philosophe américaine qui s'appelle Christine Schroeder-Frachette, mais aussi sur des travaux qui ont été faits en France sur la manière dont on calcule les bioconcentrations de pesticides et d'antibiotiques. Vous savez qu'il y a une réglementation européenne, justement. Je ne sais jamais comment on prononce REACH ou REACH, Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals. C'est REACH ou REACH? REACH. Pardon. Certains auteurs, je pense à un ouvrage qui avait été publié en 2013 par Morand et Pipien, Notre santé et la biodiversité, tous ensemble pour préserver le vivant, et à l'article d'un médecin qui s'appelle Ragon, qui soulignait notamment l'insuffisante prise en compte, à ses yeux, dans ce cadre réglementaire, de la contamination des milieux, notamment des milieux aquatiques, par une ou plusieurs substances pharmaceutiques. Et il mettait en cause précisément ce qui avait été défini comme seuil d'innocuité. Donc on voit bien ici qu'il y a une décision finalement qui est prise à un moment donné, peut-être en fonction d'un état du savoir, de mesurer et de seuil, de mesure, et selon donc cette critique, eh bien, il y a une insuffisante prise en compte des bonnes expérimentations, in vivo ou pas, des bons seuils, des bons endroits où mesurer les choses,
Et notamment, dans cet ouvrage, ce qui est souligné, c'est que les seuils actuellement identifiés de dangerosité ne permettent pas de mesurer la dangerosité à long terme des effets cocktails. Bon, voilà, je donne cet exemple parmi d'autres, mais voilà, l'idée, c'est qu'effectivement, dans le choix même dont on construit son expérimentation, ses hypothèses, il va y avoir effectivement des effets en termes de savoir qu'on peut, ou de non-savoir qu'on peut souligner. Et c'est toute une chose, effectivement, que de la sociologie politique, notamment celle de Jouzel et de Dieu, mettent en avant en parlant des opérations qui consistent à rendre visible et à laisser dans l'ombre. Voilà, qu'est-ce qu'on laisse de côté par la mesure et le type de mesure qu'on choisit. Et donc, je parlais de cette philosophe de la biologie américaine, Christine Schroeder-Frachette, en fait, qui bataille aux États-Unis, elle est à l'Université de Notre-Dame depuis la fin des années 70, début des années 80, sur cette thématique, pour mettre en évidence un certain nombre, effectivement, d'effets de choix de mesure. Et elle cite notamment dans un de ses articles de 1996 la manière dont a été construite la démonstration d'innocuité pour une population qui vivait à proximité d'une entreprise, le Claiborne Enrichment Center, où donc c'était une entreprise qui avait une activité liée à l'uranium. Et en réalité, effectivement, les types de mesures qui avaient été choisies étaient vraiment, on ne va pas dire délibérément arrangées, parce que ce serait exagéré, mais aboutissaient à démontrer effectivement l'absence de danger pour une population en grande partie afro-américaine et pauvre. Donc ça, c'est un point tout à fait important qui porte effectivement sur la définition des seuils, des lieux de mesure et des objets même que l'on mesure. Et il y a énormément de littérature sur ces questions, d'ailleurs beaucoup aussi sur les produits pour les enfants et les in utero ou dans ce travail. Et puis le dernier point que je voulais dans ce champ de la justice et de la justice en tant que portant sur le savoir mettre en évidence, c'est cette question d'une forme de négligence. Alors là, ce n'est pas tellement les théories de la justice en fait, qui permettent à proprement parler de mobiliser cette idée, c'est plus toute la réflexion parallèle qui a été développée en Europe et aux États-Unis sur l'idée d'un care, d'un soin, en fait, très étendu à l'ensemble de la société, et pas seulement donc, pour les gens malades. Et la théorie du care, ces 20 dernières années, a énormément insisté sur les effets des négligences, en fait, de qu'est-ce qu'on néglige et à quoi ne fait-on pas attention de façon plus ou moins délibérée. Et il me semble que c'est aussi quelque chose à mobiliser en fait dans la réflexion sur les inégalités environnementales, si on se rappelle d'un ouvrage tout à fait fondateur pour la réflexion, qui est celui de la biologiste marine Rachel Carson, qui avait publié un best-seller en fait dans les années 60, hein, Silent Spring, qui a été traduit en français, Le printemps silencieux, en fait, où elle lance une alerte en 1962 sur l'impact de l'usage du DDT sur la santé humaine. Et en fait, elle commence son ouvrage de façon à être comprise par un public profane, par ce qu'elle appelle une fable, en fait. Et c'est une façon d'écrire qui est extrêmement intéressante, parce que c'était tout à fait délibéré pour elle, avant de se lancer dans un raisonnement assez technique et assez peu compréhensible de quelqu'un qui n'aurait pas une formation scientifique, de commencer par cette fable pour demain, qui a vraiment inauguré un genre de l'alerte, hein, les whistleblowers, permettant d'atteindre un public élargi et de les sensibiliser à des questions, qui est aujourd'hui, effectivement, qu'on trouve de façon très récurrente dans énormément de publications sur les effets sur la santé humaine d'un certain nombre de pratiques, également humaines, d'ailleurs. Donc, voilà, pour conclure, ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est que si toutes les différences ne sont pas des inégalités, on est en train, à l'heure actuelle, de constituer un corps de savoir qui va s'appuyer sur une pluralité de sciences, et ça renvoie à cette question de quelle communauté scientifique effectivement on peut mobiliser, les toxicologues, les épidémiologues, les médecins, les anthropologues et les sociologues aussi, qui vont avoir des approches qualitatives et qui me semblent tout à fait fondamentales de mobiliser, l'épistémologie des sciences, hein, pour voir quel type de démarches, d'hypothèses sont mobilisées, et
voilà, qui doit nous amener aussi, vraiment, à mon sens, hein, à faire du savoir un enjeu de la justice en tant que telle. Voilà, je conclurai sur ce point en redisant une forme de confiance que j'ai dans le droit et les juristes pour inventer des solutions à partir des outils dont ils disposent ou en créer d'autres. Merci beaucoup et surtout merci de faire cet effort de mettre en lien vos champs de connaissances avec les questions que nous nous posons. C'est vraiment extrêmement riche. Confiance en la justice, oui, nous aussi. Si on est là, c'est pour ça. C'est aussi quand même pour mobiliser les énergies et le courage, parce que parfois, les solutions techniques, elles sont toujours là, assurément. On a tout un arsenal extraordinaire à mobiliser. Ensuite, il faut une volonté, et c'est aussi une des ambitions de ce cycle que de susciter une conviction. Sébastien, peut-être que tu peux revenir sur justement ces questions de causalité et d'évaluation du dommage que nous, les juristes, nous appréhendons à l'échelle individuelle, ce qui soulève des difficultés importantes. Ce qui rejoindra aussi quelques propos de Marie Gaille sur lesquels je reviendrai, puisque finalement votre propos me rappelle plusieurs expériences de terrain, entre guillemets, sur des études de conséquences épidémiologiques de certains facteurs environnementaux. Et je pense que vous avez raison de dire qu'il faut avoir un regard pluridisciplinaire sur ces objets-là, puisque notamment en matière de lien entre l'impact sur la santé et l'environnement, on est dans un large spectre où il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes. Le rôle des agences, c'est de faire la synthèse des connaissances et aussi de faire la synthèse des non-connaissances, et que la difficulté, dès lors qu'on s'adresse à une population à une échelle très locale, hein, lorsqu'on va faire des investigations épidémiologiques sur ce qu'on appelle des clusters, alors on a beaucoup entendu parler des clusters liés à la Covid-19, mais on investigue aussi des clusters de cancer, par exemple, et notamment de cancer pédiatrique. Il y en a eu un là très, très retentissant là, qui a fait beaucoup parler de lui, hein, en Loire-Atlantique. Donc dès lors qu'on s'intéresse à ces problématiques de clusters de cancer pédiatrique, nous agissons en tant qu'agence d'expertise en faisant la synthèse des connaissances, en rassemblant ce qui est connu, les mesures qu'on peut mettre en œuvre, mais aussi en mettant face à cela les incertitudes, et que nous, avec nos outils épidémiologiques dont je disais qu'ils étaient populationnels, nous ne répondons pas du tout à la préoccupation des parents qui, tout simplement, ont un enfant qui est mort d'un cancer. Et donc là, on arrive à une confrontation de points de vue qui est insoluble aujourd'hui, parce qu'en l'état des connaissances, nous, en tant qu'agence d'expertise, nous ne sommes pas dans la capacité d'apporter des réponses qui sont des réponses de l'ordre de l'étiologie. Et nous ne répondons pas à l'étiologie individuelle de ces cancers. Et donc ça illustre bien, avec bien sûr ces expériences qui sont douloureuses, hein, mais ça illustre bien, je trouve, la difficulté dans laquelle on est, enfin, dès lors qu'on regarde sous un angle juridique, me semble-t-il, je ne suis pas juriste, mais ces questions-là, c'est que la connaissance qu'on a aujourd'hui ou qu'on acquiert sur ces sujets pour lesquels on a des risques qu'on va appeler faibles, mais qui vont se propager sur l'ensemble de la population, la question de la pollution de l'air, la question de l'exposition à des pesticides, par exemple, vous l'avez abordé. La question, votre intervention sur la question des seuils m'a fait penser à l'expérience du bisphénol A, où on a mis 10 ans pour interdire le bisphénol A d'un point de vue réglementaire. Enfin, donc, ces questions-là, finalement, se confrontent à une absence de connaissances, et que la synthèse qu'on peut faire de connaissances qui sont déjà énormes, finalement, ne permettra pas de répondre à des questions de prise, enfin, de lien individuel entre une exposition à ces déterminants environnementaux ou à ces facteurs de risque environnementaux et la pathologie d'un individu. Il y a quelques exceptions, puisque, par exemple, dans les milieux professionnels, on a évidemment les questions liées à l'amiante, exposition aux mésothéliomes, donc qui étaient des fibres utilisées notamment pour éviter la propagation d'incendies, etc., enfin, pour isoler les matériaux, versus l'apparition d'un cancer dont le pronostic vital est très sombre, hein, qui est le mésothéliome de la plèvre, donc une maladie respiratoire. Donc c'est
un problème de pollution mais d'air intérieur, sur lequel on a un lien de causalité qui est établi entre l'exposition à des fibres d'amiante et le développement de ce cancer-là, avec un pronostic donc vital très, très sombre. Là, on est plutôt dans l'ordre de la réparation. Donc, on a des fonds d'indemnisation qui sont mis en place, avec toute la question derrière des tableaux de maladies professionnelles. Et on a quelques tableaux de maladies professionnelles qui permettent, dans un cadre d'exposition professionnelle, donc là, on n'est pas dans le cadre de l'exposition de la population générale, mais de pouvoir recourir à d'indemnisation. Ensuite, la question de la responsabilité de l'employeur aussi sur la mise en œuvre des mesures de protection, puisque c'est l'employeur en France qui est responsable de la mise en œuvre des mesures de protection de ses salariés, est évidemment essentielle. Souvent, c'est aussi en épidémiologie, hein, souvent c'est l'épidémiologie en milieu professionnel qui a fait aussi progresser l'épidémiologie en population générale, puisque en milieu professionnel, on est confronté à des risques de plus grande ampleur ou de plus grande intensité, et donc on progresse aussi par cette entrée-là. Donc voilà, je pense que la difficulté, c'est vraiment le fait que sur des risques environnementaux type substances chimiques, pour reprendre plus largement la question des pesticides, mais aujourd'hui, on a très peu, et vous parliez des effets cocktails à juste titre, hein, donc lorsqu'on va, pour reprendre ces exemples d'investigation de clusters, on est souvent confronté, nous, à la question des effets cocktails en nous disant, mais vous ne faites pas tout ce qui est en votre pouvoir ou tout ce qui est dans vos possibilités pour aller investiguer cet effet cocktail. Et nous, ce qu'on explique avec notre science, mais qui n'est pas du tout suffisante dès lors qu'on est dans ce type de configuration, c'est que nous n'avons pas d'indicateur pertinent aujourd'hui pour aller caractériser l'impact d'un effet cocktail. Alors, forcément, les cancers sont certainement liés à un effet cocktail, et ça, on ne le nie pas. Donc, il y a certainement une conjonction de facteurs qui va faire que ces cancers vont se développer. Mais nous n'avons pas les moyens de le démontrer d'un point de vue très, très pragmatique et très, très opérationnel. Donc, voilà la difficulté, je pense, entre l'épidémiologie et le droit, c'est-à-dire que l'épidémiologie fait l'état des connaissances, produit de la connaissance, mais à une échelle populationnelle. Dans quelques situations, et c'est le cas d'exposition professionnelle, on arrive peut-être à établir des liens de causalité plus facilement, entre guillemets, mais je pense que c'est beaucoup de l'ordre de la réparation. Voilà. Et sur bien d'autres facteurs de risque, nous, notre préoccupation, vous parliez du changement climatique, on a des faits aujourd'hui très, très bien documentés sur le risque lié aux températures chaudes l'été, c'est-à-dire que depuis 1974, on a vu une augmentation très importante des intensités des vagues de chaleur dans notre pays. En 2003, la canicule, c'est 15 000 morts. Donc depuis 1974, c'est plusieurs dizaines de milliers de morts de la chaleur, enfin, ne serait-ce que cela. Donc là, on a déjà des faits probants qui sont des études épidémiologiques très rigoureuses. Et donc nous, à partir de ça, c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur la problématique de la pollution de l'air. Nous, notre préoccupation, alors évidemment, on est très heureux de discuter avec des juristes, mais notre préoccupation aussi, c'est d'aller voir les pouvoirs publics pour leur dire, nous avons des preuves sanitaires que ce facteur de risque-là, aujourd'hui, il n'y a pas d'incertitude, justement. Donc, ce sont des facteurs de risque sur lesquels on a très peu d'incertitude. Donc, déjà, sur ces facteurs de risque-là, on peut gérer. On peut, c'est prendre, comme je disais tout à l'heure, soit des mesures de prévention à une échelle individuelle, mais c'est surtout prendre des mesures systémiques qui vont permettre de réduire le risque de manière collective, puisque nous, notre propos, c'est de réduire le risque de manière populationnelle. Et donc, vous, dans le pas que vous avez à faire sur l'individuel, là, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, avoir un regard de juriste sur ces liens-là est me semble-t-il, très difficile. Ça me paraît extrêmement intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, effectivement, le juriste se situe très souvent dans la réparation, donc a posteriori, et dans une situation individuelle. Mais peut-être qu'il faudrait de plus en plus imaginer nous situer nous-mêmes dans la prévention, enfin, c'est-à-dire agir du point de vue judiciaire aussi dans la prévention, puisque là, peut-être que ça permettrait d'explorer des approches plus collectives, alors qu'effectivement, dans la réparation, on est souvent dans des approches individuelles et on se heurte à ce défaut de démonstration du lien de causalité. Je pense notamment à des arrêts du tribunal administratif de Montreuil, de Paris,
en matière de pollution atmosphérique qui ont admis la responsabilité de l'État pour l'insuffisance de sa politique, mais qui en revanche n'ont pas admis la réparation de la victime parce que l'atteinte physique qu'elle subissait ne pouvait pas être imputée directement à la pollution atmosphérique. Et c'est la question très bien connue du caractère multifactoriel de ces pathologies. Moi, je dis souvent à mes étudiants, si le monde avait dû être dessiné par les industriels, il aurait été dessiné tel qu'il est. Il est fabuleux pour eux, puisqu'on a souvent des pathologies multifactorielles qui vont être très difficiles d'imputer à un fait en particulier. Et ensuite, on a effectivement la complexité de ces approches cocktails qui fait que c'est vraiment très, très difficile. Mais peut-être qu'effectivement, je pense notamment à Colline Robert et Andrea Costarigal qui sont dans la salle et qui participeront avec nous à la prochaine séance du 5 novembre et pas du 5 mars. Donc effectivement, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à se situer dans ce champ de projection. L'ENS Rennes. Alors je crois que l'ENS Rennes écoute et a oublié de poser une question. Je crois que c'est le moment aussi peut-être pour que la salle réagisse. Sinon, je peux juste apporter un complément au propos de Mme Gaille, qui est effectivement la science participative, parce que de plus en plus, on est aussi confronté à des mobilisations citoyennes ou d'organisations non gouvernementales, d'associations, qui font eux-mêmes leurs mesures. Donc on l'a vu par exemple sur l'accident de Lubrizol, là, dont on a fêté le premier anniversaire. On a beaucoup de particuliers qui se sont emparés de méthodes de mesure, et donc, à mon avis, ça aussi, ça rentre dans des questions qui vous intéressent, c'est-à-dire comment on considère de la mesure citoyenne, qui, bien sûr, selon les citoyens et selon les ONG qui les mènent, sont de meilleure qualité que les mesures que font les organisations gouvernementales telles que celles que je représente aujourd'hui. Et comment on fait ? Alors, nous, on essaye d'intégrer cela. Alors, c'est bien sûr l'objet de débat. C'est pas simple, évidemment. Mais on essaie de les intégrer dans notre regard d'épidémiologiste. Et d'ailleurs, on va même faire des enquêtes pour essayer de recueillir le perçu des populations suite à ce type d'événement-là. C'est une enquête qui est en cours. Mais d'un point de vue juridique, comment ces mesures-là rentrent dans le jugement ? Enfin, c'est comme ça que je m'exprime, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tous les cas, comment on intègre ça d'un point de vue juridique ? Ça me semble particulièrement important parce qu'on est de plus en plus conscient des problématiques environnementales, les personnes sont de plus en plus conscientes de ces problématiques-là, c'est une préoccupation qui monte, hein. On le voit par le biais de baromètres, hein. L'IRSN produit chaque année un baromètre sur les questions de santé environnement et on voit que les risques liés au changement climatique, aux pollutions sont des risques majeurs, en tout cas qui sont très bien perçus dans la population. Mais la réponse à apporter à des questions sur l'impact sanitaire sont des réponses très complexes qui nécessitent quand même un certain niveau de technicité. Donc le regard citoyen, et je ne dis pas qu'il faut écarter la participation citoyenne, ce n'est pas ce que je dis, mais il faut aussi donner aux populations qui veulent mettre en œuvre ces travaux-là les moyens de le faire, et ensuite d'intégrer cela dans une dimension soit épidémiologique, soit juridique. Enfin, ça me semble aussi être un point extrêmement important. Est-ce que vous voulez réagir ? Oui, je veux bien. Enfin, de toute façon, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais depuis tout à l'heure et aussi par rapport à ce que vous venez de dire, je repense à la conclusion du texte de Bradford Hill que vous avez cité tout à l'heure, le texte où il explique justement ces différents liens de causalité, de corrélation, et où il dit, bon voilà, alors et c'est à propos du cancer du poumon, et il dit à la fin, évidemment, si je prends ma casquette de chercheur, je ne peux être qu'insatisfait parce que j'arrive à prouver. En revanche, si je reprends ma casquette de clinicien, cela ne m'empêche pas de réfléchir à des manières d'agir et justement peut-être de prendre des mesures à l'égard des patients, de prévenir, etc. Et donc je trouve que j'ai tendance à penser que on mettra surtout par rapport aux enjeux de connaissances dont on se rend compte aujourd'hui, même si on en accumule beaucoup par ailleurs des connaissances, on ne mettra jamais vraiment fin à cette incertitude, et que la question c'est plutôt celle du positionnement par rapport à cette incertitude qu'à la fois un médecin a nécessairement dans sa pratique clinique, mais aussi que les pouvoirs publics peuvent décider d'avoir ou pas, c'est-à-dire d'accepter de prendre des mesures et dans l'incertitude, effectivement, et peut-être plus sur le versant de la prévention, de la promotion à la santé, que seulement dans la logique d'indemnisation des dommages. Enfin, moi, cette conclusion m'a toujours beaucoup fait réfléchir, quoi. Voilà, et c'est intéressant.
Au-delà des pathologies, excusez-moi, mais parce que ça me fait aussi réagir, au-delà des pathologies, on travaille aussi sur la question des expositions. Enfin, si on parle aussi, par exemple, des substances chimiques, parce qu'on sait que les expositions aujourd'hui à des substances chimiques qu'on a abordées, hein, pesticides par exemple, vont se traduire probablement avec un effet décalé dans le temps, c'est-à-dire plusieurs décennies avant l'apparition d'événements de santé. Et donc, où se situe aussi le droit dès lors qu'une personne arrive à démontrer, encore faut-il qu'elle arrive, mais qu'elle est plus exposée à certaines substances chimiques que d'autres personnes ou d'autres populations. C'est-à-dire comment le droit peut intégrer cette dimension-là. Parce que nous, c'est ce qu'on fait typiquement en termes de plaidoyer de santé publique. C'est-à-dire on ne base pas notre travail uniquement sur la surincidence ou sur l'étude de l'évolution des pathologies, mais on regarde aussi par le biais d'enquêtes d'exposition en population, qui sont des enquêtes qui se font de très longue haleine, hein, sur plusieurs dizaines d'années, mais on peut voir la diminution, par exemple, de certaines expositions à des toxiques. C'est ce qu'on a sur le plomb, un très bon exemple. Donc le plomb, la mise en place des politiques publiques a vraiment permis de diminuer de manière très drastique la contamination en plomb et l'exposition de la population. Sur d'autres substances, alors le plomb, on a un lien avec le saturnisme, sur d'autres substances pour lesquelles on n'a pas de lien avec une pathologie ou pour lesquelles les liens sont plus complexes à établir parce qu'on est justement sur des questions d'effet cocktail, je pense vraiment que la question de l'exposition à ces substances-là pourrait se traduire en termes de réparation. Et on a un petit exemple, c'est l'exemple de la chlordécone aux Antilles, où il y a eu une prise en charge de la mesure de la chlordéconémie, sauf qu'aujourd'hui, on ne dispose pas encore, l'ANSES est en train d'y travailler et devrait produire une valeur d'ici la fin de l'année, mais on ne dispose pas encore d'une valeur sanitaire qui permet de traduire un risque par rapport à une mesure de chlordécone dans le sang. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces mesures-là, enfin, si on n'arrive pas derrière, voilà. Et donc, ça relève aussi, je pense, de questions qui peuvent vous intéresser. Merci beaucoup. On va garder vos deux remarques. On va revenir dessus, un peu pour conclure sur essayer de faire une synthèse de ce qui a été dit. Mais avant, on va poser la question à la salle. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez intervenir sur des éléments qui ont été... Madame, maître. Colline Robert. Je crois que c'est mieux d'avoir le micro pour l'enregistrement. Merci beaucoup pour vos interventions qui nous parlent beaucoup à tous les deux puisqu'on travaille sur plusieurs dossiers de pollution de l'air et notamment sur l'impact en matière de pollution de l'air des travaux d'infrastructures routières dans des zones particulièrement touchées par les inégalités puisqu'il s'agit notamment de la Seine-Saint-Denis. Donc des inégalités sociales, mais de plus en plus environnementales également. Et en fait, on a le sentiment d'une frontière presque hermétique entre vos travaux, vos études, et de l'autre côté, ce qui est pris en compte par les pouvoirs publics dans le cadre des documents d'incidence de ces travaux sur le plan environnemental et sanitaire. Et on est finalement contraint d'aller devant le juge et de présenter vos travaux, de les expliquer alors qu'on est non-scientifique, et d'avoir un dialogue de non-scientifiques sur la base de données scientifiques. Donc je voulais savoir dans quelle mesure vous pouvez vous faire entendre, comment vous travaillez avec les autorités publiques, est-ce que vous êtes consulté parfois sur des projets ou est-ce que tout simplement il serait nécessaire en fait, que vous le soyez. Alors comment travailler avec les autorités publiques? Donc il y a plusieurs niveaux d'autorités publiques. Il y a le niveau national et on a une tutelle qui est le ministère de la Santé qui exerce la tutelle par le biais de la Direction générale de la Santé. On est sur financement sécurité sociale, mais donc évidemment, dès lors qu'on s'intéresse par exemple à la question des substances chimiques, on va s'adresser à notre tutelle en premier lieu, puisque c'est elle la commanditaire de nos travaux, mais on va également voir d'autres acteurs qui sont des acteurs qui peuvent agir dans le cadre du plaidoyer que j'ai développé tout à l'heure, c'est-à-dire les acteurs qui ont les clés de la gestion finalement. Et là, on voit bien que sur la question des substances chimiques ou sur la question d'ailleurs des risques environnementaux, c'est souvent le niveau européen qu'il faut aller convaincre et que donc nous, on doit aller convaincre aussi le niveau national qui lui-même discute avec le niveau européen. Donc l'expertise est très complexe, mais après, aller faire bouger les lignes en matière de réglementation, c'est aussi très complexe. Sur la question des infrastructures et des projets d'aménagement, donc sur les questions particulières de qualité de l'air et de pollution de l'air,
on a travaillé à des méthodes qui s'appellent, donc c'est les méthodes que j'ai un peu développées tout à l'heure, hein, des méthodes d'évaluation quantitative d'impact sanitaire, qui ont été travaillées en lien avec l'ADEME et un réseau de collectivités territoriales pour que justement on puisse mettre à disposition ces outils sous un format accessible à tous, enfin à des initiés un peu, mais qui puissent ne pas être épidémiologistes de formation, de manière à pouvoir évaluer l'impact en termes de bénéfices sanitaires attendus des aménagements. Donc là, c'est un premier argument de plaidoyer, c'est-à-dire qu'une collectivité a à disposition un outil qui s'appelle RQ+, qui est d'ailleurs un outil dérivé d'un modèle de l'OMS, et qui peut illustrer le gain que son aménagement a en termes de santé des populations autour de cet aménagement-là. Donc évidemment, il y a quelques préconisations et quelques spécificités à prendre en compte, mais ce sont des outils qui existent. Après, nous, on est toujours là dans notre rôle de mettre en évidence, sur la base de preuves scientifiques, des impacts sanitaires. Et donc, d'ailleurs, on peut y associer des coûts, puisqu'on travaille aussi avec des économistes de la santé. Enfin, voilà. Donc, le coût de l'inaction, d'ailleurs, ceci dit, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais en matière de qualité de l'air, est de l'ordre de 145 milliards d'euros. Les 48 000 décès que j'ai évoqués tout à l'heure, ça représente, en estimation monétaire, 145 milliards d'euros de coûts à l'État. Donc, c'est assez majeur aussi. Hein. Donc ensuite, la collectivité, le gestionnaire, finalement, décide en fonction d'autres contraintes. Et donc nous, on n'a pas tous les leviers de décision. Enfin, on ne peut pas influencer tous les leviers de décision. Donc peut-être qu'une voie aussi est de mieux discuter avec vous, d'avoir auprès de vous un rôle de levier de plaidoyer, pourquoi pas, je ne sais pas si c'est faisable. Mais en tous les cas, nous, on est très ouverts à discuter avec l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir expliquer la portée de nos travaux, leurs limites, et évidemment, d'un point de vue de la santé publique, ce qu'amènent les projets d'aménagement, en l'occurrence, comme vous l'évoquez. Et donc, peut-être qu'aussi une meilleure communication entre nos métiers et nos expertises vous permettrait peut-être de mieux vous approprier aussi ces travaux-là. Il me semble intéressant, et ça rejoint peut-être une intervention aussi de Madame Gaille, de décloisonner un peu les approches, hein, parce que si on parle changement climatique en France, on entend beaucoup politique énergétique, indépendance énergétique, on entend très peu les enjeux de santé publique. La Convention citoyenne pour le climat, par exemple, il n'y a eu aucune intervention sur le champ de la santé publique. Le Conseil pour le climat ne comporte aucune expertise de santé publique. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais voilà. Et que donc le lien fondamental entre santé publique et changement climatique, donc déjà l'adaptation, c'est-à-dire les populations s'adaptent, ça aura un impact sur leur santé, mais aussi les mesures d'atténuation, donc pour réduire par exemple les émissions de gaz à effet de serre, auront certainement un impact sanitaire immédiat. Lorsqu'on fait réduire des émissions, on aura une amélioration de la qualité de vie. Et donc, voilà, si on prône les mobilités douces, effectivement, l'impact sur l'émission ou la persistance de polluants de l'air peut-être sera long à atteindre. Par contre, on aura peut-être d'autres indicateurs de santé qui seront... il y aura peut-être un bénéfice immédiat sur d'autres indicateurs de santé, sur l'obésité, par exemple. Si on promeut les mobilités douces, peut-être qu'on aura ces effets-là. Et donc, ça me semble important de pouvoir... regarder la santé publique finalement aussi comme un moteur d'autres politiques publiques. Et on dit toujours la santé dans les politiques publiques, mais moi je dirais la santé environnement dans toutes les politiques publiques. Et aussi le fait, je suis complètement d'accord aussi avec votre propos qui dit il faut certainement avoir un regard décloisonné. Moi je suis là, je parle santé humaine parce que mon agence est une agence du ministère de la Santé très focalisée sur la santé humaine, mais l'épidémie de Covid-19 nous montre qu'on est vraiment dans ces enjeux-là. C'est-à-dire la Covid-19 a émergé parce qu'il y a une altération de la biodiversité du fait de l'activité humaine, que cette altération de la biodiversité a un impact en termes d'apparition d'une maladie émergente, d'une zoonose, qui est une maladie avant tout infectieuse, évidemment. Et aujourd'hui, toute la saturation du système de soins, là, qu'on voit se profiler à nouveau, porte vraiment sur la prise en charge, le soin. On est vraiment sur le soin d'une maladie infectieuse. Mais cette maladie infectieuse, elle est extrêmement imbriquée à des enjeux de santé environnementale. Les personnes les plus fragiles face à cette épidémie, ce sont les mêmes qui sont les plus fragiles face à la pollution de l'air. Et donc, avoir non plus une politique de soins, ben c'est très bien d'avoir une politique de soins, je ne dis pas qu'il faut arrêter les soins, je sais que je suis enregistré, mais mieux réfléchir à une politique ambitieuse dans santé environnement qui intègre l'ensemble des maillons, à la fois humains, mais aussi des écosystèmes avec l'ensemble des ressources que ça porte, et ça rejoint peut-être aussi l'intervention de l'IDRI, mais... il me semble que c'est fondamental. Donc, il y a le concept de santé planétaire ou d'une seule santé. Donc, une seule santé, c'est un concept de l'OMS. Il me semble fondamental et impératif d'aller vers ce concept-là. Voilà, j'en ai profité pour dévier un peu. Merci. Ben, si vous voulez, on peut essayer de débattre un peu sur
sur ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que d'une certaine façon, le premier séminaire à propos de cette justice environnementale avec des climatologues a imposé vraiment l'idée que droit et science, voilà, c'était là que se situait véritablement la question de la justice environnementale. Et droit et sciences, on parlait de climatologie, on parlait de sciences de la Terre, de biologie, etc. La deuxième séance, en réalité, a porté sur un champ un peu différent, sur la mise en transition de nos sociétés et le rôle du juge. Et là, ce qui est apparu, c'est qu'il y avait à nouveau un autre savoir qui devait être acquis par les juristes, notamment par les magistrats. C'est savoir, au fond, du management, tout simplement pour pouvoir objectiver si à la fois les entreprises, l'État, etc., se mettaient en transition, et donc se mettaient finalement assez raccord à des normes qui étaient plutôt celles des scientifiques, voire la première. Là, ce qui apparaît, me semble-t-il, c'est d'une autre nature. C'est un peu comme si, au fond, il y avait un autre savoir qu'il fallait convoquer, c'est un savoir de nature épistémologique. C'est-à-dire que les magistrats, les juges, mais aussi les avocats, les plaignants, vont avoir à acquérir un troisième type de savoir, c'est l'épistémologie des sciences. L'épistémologie des sciences parce qu'en réalité, la question qui se pose, et que vous avez posée de façon très concrète, c'est comment les juges vont prendre ou ne pas prendre en compte les données de la science, et qu'est-ce que c'est que la science. Et une des idées qui apparaît, une des premières idées qui apparaît, c'est qu'au fond, il peut beaucoup de choses, parce qu'il construit ces idées de Scholar-Johnson, il construit la science qu'il va utiliser. Il n'est pas tenu par ce que dit une agence. Et ça, c'est très important. C'est le juge qui va dire ce qui est important comme type de science à prendre en compte. Alors, du coup, ça peut faire rentrer la science participative. Ça, le juge peut le faire à côté des agences, à côté des grands laboratoires scientifiques aussi. Qu'est-ce que c'est que la science? C'est une des grandes questions qui va se poser. Et ce que vous avez évoqué aussi, c'est qu'il y a une pluralité de sciences. Donc, il va falloir rentrer dans le savoir épistémologique. Qu'est-ce que c'est que la climatologie? Qu'est-ce que c'est que la santé publique? Cette notion est absolument incroyable, parce que ça va changer les catégories du droit. Entre le collectif et l'individuel, qui sont les catégories du juriste, on a là-dedans cette... Mais il y a l'inverse. La co-construction, c'est aussi ce que vous avez évoqué, les scientifiques qui vont s'adresser aux juristes. Ce que vous évoquez, c'est-à-dire au fond d'une traduction de la science à destinataire des justiciables, mais aussi des avocats, mais aussi des magistrats, ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on va co-construire ce savoir épistémique, qui va pouvoir enfin aboutir à des décisions. On va prendre un exemple, ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêcherait le juge d'utiliser avec des raisonnements de santé publique, des catégories utilisées dans un domaine particulier, par exemple cette question de l'amiante, pour l'appliquer à d'autres domaines. Ça, c'est des choses que le juge peut. Et donc, en fond, ce dialogue qu'on est en train de faire, je pense que c'est vraiment ce dialogue qui va permettre, si ce continue, cette justice environnementale. Qu'est-ce que ces réflexions vous évoquent? Alors, moi, elle m'évoque deux choses, pardon. La pluridisciplinarité, finalement, sur laquelle on a beaucoup tourné, me semble effectivement indispensable à plusieurs égards. Et je dirais que pour parler des sciences humaines et sociales, puisque c'est plus ma partie, je trouve qu'elles peuvent être aussi versées à la contribution sur deux volets. Un volet qui, je pense, voilà, j'aurais peut-être même pu plus développer, qui est celui, pour le coup, des inégalités en matière de conditions socio-économiques et qui permettent d'avoir une forme... Enfin, voilà, quand on étudie, par exemple, le discours sur la pollution de l'air, ce qu'on peut préconiser, etc., comment des personnes qui sont dans des conditions très défavorables peuvent s'approprier ce type de discours, c'est pas évident. Et on a des études, effectivement, sur cet exemple-là, qui montrent bien comment des personnes qui vivent en HLM, qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, vont dire, là, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer quand même dans la vie courante. Donc, il y a aussi un niveau, je pense, de granularité assez fine, assez qualitative, qu'il faut verser à la discussion de connaissance de la manière dont les gens peuvent s'approprier
ces discours, les faire leurs, etc., de la même façon qu'on étudie pour le soin, les renoncements aux soins, les non-recours aux soins, et qu'on, donc c'est quand même à partir de trajectoires biographiques assez, assez fines. Et puis, le deuxième volet que je voudrais mettre en avant, qui a été peut-être plus l'objet de mon propos, c'est le point de savoir comment un savoir scientifique, bah, par exemple épidémiologique, va sortir de son propre cercle et va pouvoir circuler ou pas dans la sphère politique et la sphère judiciaire, qui sont deux sphères différentes, et être approprié selon les pays et les systèmes juridiques, c'est pas la même chose. Je sais que dans certains États des États-Unis, justement, des raisonnements probabilistes ont été à l'origine de jugements. Donc il y a toute cette question de la circulation, en fait, d'un cercle à l'autre, de modes de raisonnement qui ne sont pas naturellement fongibles les uns avec les autres. Et il me semble aussi que ça, le travail effectivement d'analyse des discours, d'analyse des modes de raisonnement, peut permettre de prendre un peu de recul par rapport à sa propre façon sociale, juridique, politique de réfléchir. Mmh. Voilà, donc j'abonde dans votre sens avec ces deux points supplémentaires. Nous avons encore manifestement 2 minutes. Si vous voulez d'une façon ou d'une autre réagir, sinon à minima, en réalité, ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire que par exemple l'épidémiologie rentre dans la sphère du débat et dans la sphère aussi peut-être plus technique du droit, bah, au fond, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire dans ce séminaire et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Donc merci de souhaiter que ce séminaire, au fond, aboutisse à quelque chose. En tout cas, merci, puisque j'abonde aussi également dans le sens de vos propos, et je pense que cette discussion que nous avons effectivement entre épidémiologistes et juristes ne peut que s'intensifier, j'espère. Nous, notre objectif, au-delà d'être une agence de sécurité sanitaire et en matière de santé environnement, notamment vu les incertitudes, c'est évidemment, on utilise l'épidémiologie comme un outil, mais nous, c'est promouvoir des environnements favorables à la santé, qui est évidemment en premier lieu à la santé publique, donc au collectif, mais que éminemment sont liés à ces enjeux collectifs, des enjeux individuels. Et que donc là, à mon avis, le lien est complètement naturel, et donc il faudrait arriver effectivement à le creuser. Merci beaucoup. On va peut-être clore cette troisième moment de ce séminaire. Je vous rappelle donc que le prochain séminaire sera donc le 5 novembre. Merci, 5 novembre. Et que donc on va essayer de rentrer plus dans le cœur du sujet, au fond, comment nouer science de la nature, management, épistémologie, dans des catégories très concrètes que, les juges, les avocats vont solliciter pour ce procès environnemental. Merci beaucoup, merci d'être là, et à très bientôt. Merci d'être là, et vraiment merci à nos intervenants, parce que j'ai trouvé que c'était une séance particulièrement passionnante, enfin comme les autres, mais le plaisir est toujours là. Merci à tous. D'être là, en effet, quand même, ça fait du bien de voir des êtres humains. C'est vrai, en vrai. C'est vrai que ça fait...